Dans cette vidéo, on risque, là, nous deux, d'avoir l'air parfois de deux vieux cons dinosaures de... Non ! Si ! Non, j'aime pas ça ! Alors, je ne fais pas cette intro. dans cette vidéo, nous allons avoir l'air... De mecs sympas, cool, de mecs cool qui font voilà, des de mecs cool qui voilà. ont... envie de vous inspirer, de transmettre des vraies leçons de vie. Ou pas. C'est la première fois que je rencontre 2020. Vous le connaissez beaucoup pour beaucoup d'entre vous en tant que 2020. Vous allez voir aussi que je risque souvent de me tromper sur son vrai prénom parce que ça a toujours été 2020 pour moi. On ne s'était pas encore rencontrés, on se côtoyait numériquement, si je puis dire. Donc bon, c'était très virtuel. Et son parcours est très inspirant parce que c'est quelqu'un de libre. Voilà, voilà. J'ai le plaisir. C'est ça. De... C'est bon ? C'est une je bonne suis intro libre. Voilà. C'est ok, bien. Super intro. Alors, okay. Alors il faut que je commence par te faire un aveu. Ouais. Énorme péché d'orgueil finalement parce que je me regarde un peu le nombril avant de faire cette interview en me disant « Je vais me planter, il est bon, c'est un mec qui est super bon face à l'image et tout, il faut que je prépare bien mes questions et tout. » Et bon, et je te présente d'emblée mes excuses, je vais souvent regarder mes questions. Parce que moi je suis obligé de dire ce qui se passe là maintenant, Frédéric. C'est en train de faire un raccord. Introduction, alors qu'on a fait toute l'émission. Donc, ah oui. Tu es en train de t'excuser pour les vannes que je vais t'envoyer dans une heure. Voilà. Il triche oui. Parce qu'il va m'appeler. Hey, vous connaissez Retour vers le futur? Je lis dans les questions. Il va à un moment m'appeler Cédric et je vais le prendre de travers. Non, en fait, je triche alors pas. Je m'appelle Cyril. Puisque... Il triche, il se refait son petit intro. Oui, à un moment, je vais me tromper dans le prénom, tout ça. Non, tu me l'as fait pas moi. Tu m'as coupé le sifflet. Je t'ai coupé le sifflet. Parce que j'allais l'avouer là. J'allais le dire, j'ai pas de problème avec ça. Justement, le péché d'orgueil qui est tout à fait légitime et qui va nous amener à parler d'égotisme. D'égo. Bah oui, non, d'égotisme. D'égotisme. Au sens stendhalien. Souvenir d'égotisme. Oui, bien là, sûr. Parce que pourquoi il faut en parler? Ouais. Parce que on nous reproche forcément d'être hyper égocentrique, d'avoir des égos tuméfiés, surdimensionnés juste parce qu'on se filme. Mm. Donc je te pose juste la question, pourquoi on fait ça? Eh, pourquoi on fait ça, toi et moi? Toi, tu m'as appelé. Pour que je vienne faire non, essaye de répondre à la question. Okay. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on... Moi, okay, je vais te le dire autrement. Est-ce okay. qu'on veut donner un truc aux autres ou est-ce qu'on le fait que pour nous, d'après toi? C'est un mix, sérieux. C'est en tout cas, mix, à mon âge. Voilà. Le vieux con, dont je ne t'ai pas laissé le dire. Mais moi, j'adore les caméras. J'adore faire le con. J'adore. J'ai besoin de communiquer avec les gens, avec toi. Je ne te connais pas. J'aime bien l'idée. On va faire un truc. J'aime bien. Il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas un énorme défi mondial. J'ai envie qu'on fasse ça bien. J'aime bien que les gens, ils aient du contenu et qu'ils aiment bien. Puis j'aime bien qu'ils l'écrivent et qu'ils disent « Ah, c'est cool, merci. » Moi, ça me va, tu vois, ces deux trucs-là, ça me va. Après, c'est du dérivé. Après, si ça donne des trucs, c'est génial. C'est pas souvent dans la vie que ça donne des trucs. Mais moi, je commence par m'amuser, tu vois. Je commence par ouais. faire du vrai. Je peux te donner ma version? Vas-y. Parce que ma version, je disais, pour faire le mec un peu qui se la pète, je disais stendhalien, tout ça, l'égotisme stendhalien. C'est pas qu'il se la pète, c'est que les gens, ils pigent pas ce que ça veut dire. Je sais bien, mais alors moi, ceux qui pigent pas, je m'en fous. Bah, déjà, c'est un pour élément ça de la qu'il y a 4 mecs qui regardent. Oui, enfin, mais je veux. Tu veux me dire la vérité? Merci. Je veux ces 4 mecs-là. D'accord. Je veux pas les autres. Okay. Alors c'est stendhalien. Michel, Denis, Bernard et Jacqueline. C'est stendhalien. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis sur LinkedIn. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand t'as peut-être 50 likes sur une vidéo, alors que d'autres gars, vachement bons, on va avoir 500 000 likes. Ouais. Mais moi, c'est cela que je veux. Et ça, c'est une quête consciente. Mais arrête. C'est une quête consciente. Arrête, sais pourquoi je te crois pas. Ah si, c'est vrai. Je refuse. La preuve... Si t'avais 350 000 vues et 250 000 likes, tu non, serais non. pas comme ça chez mais... toi. Alors, j'ai deux éléments de preuve à apporter, à verser au dossier, cher maître. Ok. Première preuve, on m'a fait cette remarque l'été dernier. Et le mec j'ai est mort. Mis une vidéo, j'ai mis une vidéo ouais. qui a eu des millions de vues, des milliers de likes, etc. Ça m'a gonflé, rien n'a porté. Une vidéo de toi? Une vidéo avec un bon sujet, commenté. Enfin, si tu veux, c'était mon texte, c'était moi qui d'accord. avait... Voilà. Et je vais te donner le lien. Elle est vraiment bien. J'ai okay. même Michel-Edouard Leclerc en personne qui a dit merci de ce partage. Très intéressant. What the fuck. Voilà. Ouais, avec une vraie question philosophique okay. dedans et tout. Bah alors. Bon, premier élément de preuve. Deuxième élément de preuve, c'est très simple. C'est ingérable. Moi, mon but sur LinkedIn, c'est d'avoir des conversations qualitatives et de découvrir des vrais gens. D'accord. La preuve, c'est qu'un peu plus tard dans cette interview... qui finalement n'aura pas lieu parce qu'on va refaire l'interview. Je vais te poser des questions ouais. d'un certain blogueur avec qui j'ai sympathisé ces dernières 48 heures. Je réponds aux gens. D'accord. Je réponds aux gens, oui, je les aime aussi. vraiment là-dessus c'est quand cool. ils te stimulent intellectuellement.
Et c'est pour ça, c'est ça qui est bien. D'accord. Donc te fous pas de ma gueule, parce que ça, c'est sincère. Je me fous pas si, ça. Si, tu me regardes. C'est la première fois que tu es sincère depuis une heure et demie. Merci. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, non, mais t'as raison. Non, j'ai été vrai. Sincère, mais pas à l'aise avec ma sincérité. C'est une nuance. Non, je vais expliquer aux gens. Parce que d'où le vient qu'on refait ça. Oui. C'est qu'on parlait de la méthode. Et je te reprochais, c'est vrai que c'est cool, oui. Que tu lisais un peu trop. Oh là là, tout de suite des mots agressifs. Smartphone. Mais t'es non. Un troll, en fait. C'est pas. Ouais. C'est pas ça, c'est que quand tu parles à quelqu'un, et effectivement. C'est peut-être parce que je l'ai fait un peu des interviews à la télé et tout le bordel. Mmh. Tu peux pas t'intéresser à quelqu'un et puis être comme ça non, pendant que je te réponds. C'est super intimidant. Sauf que tu l'as fait plusieurs devant fois. Soi quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude que moi. Non, ça... Et j'avais peur d'oublier certaines questions quand même. Ok, bon, et ben, tu vois, c'est arrangé. Mais oui, je te vrai. Dis pour là, la prochaine fois, quoi qu'il arrive, qui que voilà. ce soit, même si tu as, okay. je sais pas qui, Neymar ou le pape. Ouais. Tu vires ton smartphone. Non, en fait, il y a une autre raison. C'est que tu le poses. T'as un débit de parole qui fait que j'ai déjà oublié pourquoi je voulais parler d'égotisme stendhalien. Est-ce que je parle trop vite ? Non, c'est parce que tu parles plus que moi. Oh. Et crois-moi, pour okay. ceux qui me connaissent, ils sont en train de se marrer. Mais ça, alors, c'est parce que les gens, là, ils regardent si c'est en temps réel. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle, qu'on n'a rien dit. Je sais bien. D'accord. Non, si, on a dit des choses. On a parlé stendhalien. Et puis on a parlé un peu, comment dire, le sous-jacent là, c'est l'authenticité, c'est okay. pourquoi on fait ça. C'est alors vrai. Je peux aller au bout de Stendhal, vas-y, c'est vas-y. Hyper intéressant. Parce que les gens confondent, et là je vais dire un truc. Ouais. Vas-y, les gens confondent l'égocentrisme et l'égotisme. Okay. L'égotisme, bah, moi, le premier, déjà, tu c'est me, de. Tu voilà, et ben, ah, je peux t'apprendre un truc là mais... Sérieux mais j'attends que je te moi. Promets, c'est un bon takeaway, comme diraient les Américains. C'est que l'égotisme, c'est s'utiliser soi-même comme. En quelque sorte, parangon, unité de mesure de la chose humaine. C'est la différence entre l'égotisme et l'égocentrisme est très intéressante parce que quand Stendhal parle d'égotisme, c'est parce qu'il publie donc les souvenirs d'égotisme dans lesquels il ne parle que de lui-même, mm-hmm. mais il le fait pour inférer des lois sur l'humanité. C'est-à-dire qu'il le fait avec une forme de générosité altruiste, paradoxalement. Donc il s'utilise lui-même comme sujet d'étude. D'accord. Pour pouvoir permettre aux autres aussi de se comprendre eux-mêmes. Donc il le fait aussi avec l'humilité requise. Voilà. Et je pense alors que l'égocentrisme alors que l'égocentrisme, c'est quand ma mère le synthétise très bien, elle dit l'homme qui dit toujours je et qui le pense est un homme seul. Ok. Voilà. Je vois. Pardon, voilà. Pardon madame. Mais l'idée, attention, là, c'est ma mère. Oula, ça a mal tourné, fais oula. Gaffe. Respect, bah, j'ai non, dit non, pardon madame, énorme respect. Bien sûr. Alors, non, mais pour revenir maintenant au sujet un peu plus sérieux qui touche à notre communauté, c'est-à-dire une communauté de blogueurs, de gens qui commencent à s'encanailler, à partager des choses dans l'espace numérique, mm-hmm. tous sont quand même curieux de savoir comment on réussit à être 20-20, à s'éclater en faisant ça, se faire du bien, etc. Et puis, il y a aussi une partie du public qui se dit « c'est juste des petits enfoirés de prétentieux qui font, ouais. qui se mettent des caméras autour d'eux ». Tu vois, moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à vendre ça, parce que quand on arrive dans mon studio, on se dit « mais c'est Narcisse ! Il a mis des caméras autour de lui pour se prendre en caméra !» Alors qu'en fait, c'est l'amour du travail bien fait, parce que j'ai toujours aimé l'image. Et j'ai toujours aimé... Mais surtout, alors notion. Moi, oui, je vais dis-moi. Te dire, Frédéric, ce que j'en oui. pense, c'est qu'on s'emballe et... Tu fais la censure tout seul, j'ai pas besoin seul. De montage. On s'emballe et... De ceux qui disent gna gna gna, et puis gna gna gna, et puis Narcisse, et puis machin. Non, je vais te faire un aveu, moi j'ai du mal à les oublier. Ah ben voilà. Bah, écoute, peut-être que j'ai atteint le Bouddha. J'ai atteint le Bouddha. C'est que... Bah, attends, je fais le malin. Ah, mais là, vraiment... Non, je fais le malin. Parce que non, mais là, je t'écoute religieusement, parce que moi, je n'arrive pas à les transcender, ça. Non, il m'arrive de m'agacer. Encore hier. Donc, je dis n'importe quoi, en fait. Faut pas m'écouter. Mais je te dis quand même. Alors, vas-y, je t'écoute. T'as investi dans ce matériel. Tu kiffes faire ça. Tu reçois les gens. Tu prépares bien. T'as bossé. T'as un petit gars qui t'aide. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des mecs qui arrivent que tu connais pas et qui te disent « Ouais, tu te prends pour qui ?» Tu fais comme moi. On le verra plus tard dans l'interview. Tu supprimes. Tu supprimes. Tu bloques. Tu delete. Moi, je bloque, je spam, je supprime et je dénonce. Les mecs qui viennent me faire délation chier 2.0. Sur Internet, je les pulvérise. Ah ouais. Ils disparaissent. Mais tu sais que ça me surprend. Comme ça mais blague ouais, à part, ça libère. Me surprend de toi pour une raison toute simple. Je pensais que tu les utilisais comme une énergie, c'est un peu comme dans le cinquième élément, l'étoile noire. Là. Non. Elle grossit, la connerie grossit, mais tu la recycles toi et tu la drôlifies. Parfois. Quand c'est sympa. Ah. Non, ça dépend de l'intention. Si je sens le mec est vraiment un gros con. Oui, voilà, vraiment toxique, t'es ouais, fixe. Ouais, non. Après, il y a des gens, tu sens qu'ils sont border, ils disent un truc, mais c'est... Tu dirais que t'as bloqué là, tu combien joues. De personnes Allez, sur LinkedIn, par exemple. Ah, sur LinkedIn, dans la dernière semaine, 5. C'est vrai. C'est plus que sur Twitter en 12 ans.
Mais tu sais, tu me rassures presque, parce que moi, je passe pour un gros con auprès de mes amis social sellers, ouais. Et notamment Loïc Simon, quand parce qu'il m'a dit « Tu bloques des gens, c'est mais... pas cool, c'est pas bien. » Et j'ai dû bloquer dans ma vie 15 à 20 personnes. Mais qui d'ailleurs, s'ils se reconnaissent, ils vont être particulièrement énervés. Mais on les encourage. On les encourage. À revenir. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de ce qu'on... J'ai l'impression que tu fais trop attention à ce qu'on dit de toi, Frédéric. On s'en fout. Moi, le mec me rend mal à l'aise. J'ai le syndrome de l'imposteur. Et pour moi, ceux qui disent du mal de moi et critiquent, même par le dénigrement excessif, ouais. Certes, j'ai des ils arguments. Ils ont raison. Mais, voilà, mais au fond, moi, je me dis, ils ont peut-être un peu raison. Ils ont peut-être un peu raison. Non, mais ça n'empêche pas de penser, de réfléchir derrière. Moi, j'ai supprimé le mec qui m'a dit c'est putain like. Maintenant, on en reparle plus tard. Arrête, c'est ça. Bon, bref. Si, on va en reparler. Tiens, le gars qui a dit que t'étais putaclic, putalike. Putalike. Il dit putalike, alors c'est putaclic, faudra lui dire. Putalike sur LinkedIn, il s'est adapté, tu vois. Vas-y, explique-lui que c'est un blaireau, s'il te plaît. Non. Ta non, caméra de connivence. Je n'insulte pas. Non, les non, gens. D'avoir choisi le mauvais terme, juste. Non. Non, je vais pas jouer dans sa cour. Je l'ai supprimé. D'accord. Ça fait un tel bien. Ça fait un bien, oui. Mais je te jure, hein, ça libère. Ça me rappelle un peu l'épisode de Black Mirror saison 3, là, que je viens de voir l'année dernière. Où la mère, elle met un logiciel dans la puce de sa tête de sa fille oui. Pour pas qu'elle voit les trucs horribles qui stressent. Tu vois, le chien qui aboie, donc il voit des gros pixels. Donc la fille, elle naît dans un monde où il ne se passe rien de désagréable. Et ben moi, c'est ça, Black Mirror, dans mon LinkedIn, je supprime les gens désagréables. Mais je suis pas un traître, je le dis même dans ma deuxième vidéo, je crois. Ça fait 15 ans que je fais ça. Ta deuxième vidéo, LinkedIn. LinkedIn. Oui, d'ailleurs, t'en es à combien au moment où on enregistre ça? Je sais pas, 10. T'en as fait une dizaine, ouais, une vingtaine? Peut-être 10. Ok. C'est juste, faut pas venir m'emmerder, ni les autres, les gens. Pourquoi on se parle mal? Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs? Alors, il y a marqué PDG de je sais pas quelle boîte. Pourquoi est-ce qu'il prend mais surtout, 20 secondes pourquoi me dire que ce que je fais, c'est de la merde? Mais surtout, pourquoi c'est intéressant que nous, on en parle là? Ben, je sais pas, parce qu'on le vit tous. Non, moi, je sais. On le vit justement, de en fait, cette agression. Je fais exprès de te relancer sur d'accord, le sujet. Ah, okay. Pour moi, c'est un putain de bon sujet. Je vais te dire pourquoi. D'accord. Tissu social. Ouais. Quand tu vas sur Twitter, toutes ces espèces de t'as notamment maintenant des vidéos anxiogènes qui sont faites pour provoquer la haine raciale, le rejet des uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Même parfois, les gens qui défendent de nobles causes deviennent violents à leur tour. Mmh. C'est vraiment dommageable. Et donc, pourquoi j'estime que c'est important de discuter de tout ça? Parce qu'il y a des vraies réflexions à mener de la part des gens qui, comme nous, sommes totalement sous perfusion de la culture numérique. Mmh. On a peut-être des choses à diffuser vers les autres. Et moi, je ne veux pas dire un truc aussi naïf que « faites semblant de vous aimer, soyez bisounours les uns envers les autres », mais peut-être diffuser malgré tout, enfin propager une culture d'une bienveillance qui n'est pas mais le ouais. terme à la mode, la bienveillance pour faire mais une bienveillance constructive. Déjà de la politesse. Voilà. Parce que dans cette notion de vivre ensemble et qui commence aujourd'hui beaucoup dans l'espace numérique, d'ailleurs, les jeunes, les ados, mmh. qui sont nés avec l'Internet, sont immédiatement projetés dans cet univers qui est relativement agressif, mmh. tu vois, où l'émulation est supplantée par la compétition agressive. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de likes chez certains jeunes, j'ai vu que la popularité ou non associée à certains de leurs contenus peut les rendre littéralement malades. Ouais. Tu vois, voilà. Et donc, il me semble qu'on a quelque part une petite forme de... Alors, sans vouloir enculer les mouches, hein, mais je pense qu'on a... Ah, tiens, j'ai dit un truc un peu... Bon, bah ça y est, l'interview est foutue. C'est foutu. On est rentré dans les grossièretés. Tu vas te faire... Non, mais sans vouloir, donc... Je ressens qu'on a une responsabilité morale, éthique, déontologique, c'est pas comment il faut dire idéalement, à propager, si tu veux, des réflexions là-dessus. Okay. Parce qu'il me semble aussi qu'on peut imprégner les gens de notre état d'esprit pour que leur réaction soit, soit en osmose avec ce bon esprit. Je sais pas. Moi, ce que j'aime bien dans tes vidéos, débat, notamment, en fait. Ouais. C'est que les commentaires sont gentils, mais ils sont pas niaiseux. Pas tous. Oui, alors forcément. Ah, mais ils sont plutôt gentils. Écoute, oui. Je m'arrange depuis 15 mais c'est toi ans qui inspire pour ça. Générer ça. Je m'arrange pour ça. C'est du travail. C'est-à-dire que les rares fois, j'en ai eu quand même, hein, des trolls, des méchants, des agressions, des menaces, j'en ai eu. Mais à chaque fois... Mais ça m'étonne, j'arrive même pas à comprendre. Gérer. Je dis pas ça pour te flatter. Même pas à comprendre pourquoi les gens t'agressent toi. Mais... Parce que t'es sympa, tu fais en sorte de jamais déraper. Mais... Tu te moques de personne. Enfin, non, je suis pas sympa. D'abord, il y a des gens qui pensent que je suis pas sympa. Dans l'humour, avec un peu d'ironie, mais... Je suis pas sympa. Il y a des gens qui pensent que je suis pas sympa. Donc le mec, il aime pas ma gueule. J'en ai vu un avant-hier, je l'ai supprimé direct. Je sais plus ce qu'il disait. Visiblement, il pouvait pas me blairer. Mec, docteur en je sais pas quoi. Et il dit un truc. Donc je réponds un peu gentiment et il leur met une couche. Delete. Ah oui. Ça me rassure presque. J'en sais rien. Mais après, moi, les vidéos, quand tu fais des vidéos, tu t'exposes. Ouais. Tu t'exposes, t'es pas drôle. Les mecs, ils aiment pas. Moi, ce que j'attends, ce que j'espère des gens, c'est quand ils aiment pas, ils passent leur chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as encore vu une bête?
Non, non, je vérifie. Les caméras. Alors, on va le dire pour nos amis télénotes, spectateurs de nos conneries. Ouais. Tout ça est fait avec des moyens hyper légers. Et il n'y a pas d'opérateur. Donc, pas de temps en temps, je vérifie s'il y a toujours. Non, mais je vérifie s'il y a toujours les boutons rouges. T'as le ratio caméra par caméraman le plus faible du monde. Voilà, merci. Il y a 5 caméras. C'était, le but, c'était de faire la pub pour ce studio non, mais totalement ubérisé. Bon, de toute façon, on continue là. On fait quoi? On fait cut pour la suite de l'interview? Non, moi je ne serai pas coiffé pareil. On sera moins détendu. Alors, ouais. D'ailleurs, on est plus détendu là. On est plus détendu, mais est-ce qu'on est plus intéressant? Moi, je pense qu'il va falloir couper. Oui, pas de souci. Tu peux pas laisser une heure et demie de Bien sûr, on va garder les meilleurs passages. Alors là, par exemple, je dois t'amener sur le terrain des entreprises au sens le plus vaste. Parce que 2020, il y a quelques années, quand je le découvrais, c'était le chic type sur Twitter et dans ses blogs qui nous inspirait, qui était quelque part grand public et qui faisait des expériences. C'était lui-même un entrepreneur, d'accord ? Oui. Mais donc, ça n'était pas le professionnel, conférencier professionnel, pardon, que j'envisage aujourd'hui, ouais, et qui donc va rentrer dans des entreprises pour propager sa philosophie, sa vision des choses. Bon, et là, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton job ? Et est-ce que t'as pas un peu envie de bousculer tout ça, d'apporter un truc neuf ? Si oui, quoi ? Mon job. T'as aimé la question ? Ouais, j'aime bien aimer, parce qu'en plus, t'avais la patate, tu vois. T'étais parce que je la ressens vraiment, là, cette question. Là, tu la ressens vraiment. Ouais, j'ai vraiment envie d'avoir la réponse. Mon job, tu as parfaitement raison, et pour le coup, elle touche où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que mon job aujourd'hui, c'est de faire des conférences dans les entreprises, et ça marche. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de sortir un peu de l'entreprise pour que ces conférences aillent vers du grand public. Ah, donc les entreprises sont une sorte de marchepied expérimental ? Non, pas du tout. C'est un autre... En fait, souvent, je rencontre des gens qui me disent « Mais alors, on peut la voir où, ta conf ?» Et je dis, bah, vous ne pouvez pas l'avoir, parce que j'étais chez EDF, chez Total, chez Orange, et que c'est filmé, c'est privé, machin. Ah, d'accord. Et ça fait quelques mois, je réfléchis à comment arriver à faire une conférence grand public de tout ce que j'ai dans la tête. Et après, je me pose la question, et je n'ai pas résolu, est-ce que cette conférence grand public, je pourrais la faire en entreprise ? Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Pour arriver à unifier, finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire dire des trucs de façon humoristique, mais pas seulement, et qui touchent un peu les gens. Voilà ce que je veux faire de ma life. Le how, le why, écoute, c'est intéressant, mais ce n'était pas ma question. Ah merde. Alors, qu'est-ce qu'on garde ? La question ou la réponse ? Parce que, si tu veux... Tu voulais savoir quoi ? Franchement, je pense que je vais réussir à te dire... Vas-y, dis-moi. Ce qui peut, franchement, scotcher les gens, là, en tout cas une partie du public qui t'écoute, qui nous écoute. D'accord. C'est que quand on construit une marque, et tu es une marque, ouais, personnelle, mais une marque... Et de manière générale, quand on a une démarche donc intellectuelle, on essaye à l'intérieur de cette démarche d'intégrer autant que faire se peut une aspiration. Okay ? Et il n'y a qu'un pas de l'aspiration que l'on insuffle dans la marque, d'accord ? Cette énergie qu'on met dans la marque, c'est-à-dire l'aspiration à faire les choses mieux, il n'y a qu'un pas de l'aspiration à l'inspiration. Alors excuse-moi, c'est un peu, je me la pète là quand je dis ça, mais en fait je ressens vraiment ce que je suis en train de te dire comme étant, j'ai envie de dire, vital. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin du mec qui est plus libre qu'eux. Ils ont besoin du gars qui arrive dans la boîte et qui dit les trucs qu'eux n'oseront pas dire à voix haute. Et je veux savoir si tu assumes d'être ce gars-là qui fout un peu sa merde, qui joue la carte de la conférence décalée, puisque j'ai appris, grâce à la préparation de cette interview, que tu faisais dans le décalé. Est-ce que tu assumes donc ce rôle un peu, on va dire, salutaire, presque de salubrité publique, de faire bouger ces putains d'entreprises où très souvent on est calcifié, on étouffe, etc. Et pourquoi je te dis que les gens qui nous écoutent, à mon avis, ça va les intéresser, c'est qu'ils ont envie que tu leur donnes cette énergie. Mais je veux faire ça, Frédéric. Ah. Je prépare deux conférences pour l'automne. Une pour l'entreprise, une pour le grand public. Et la conférence de l'entreprise, elle va déchirer sa mère. D'accord. D'accord ? Ouais, mais déchirer sa mère, c'est quoi ? Ça veut dire subversive ? Très subversive. Les mecs, ils vont arracher leur cravate, déchirer leur chemise. C'est, ça bouscule. En fait, c'est un peu comme du Julia de Funès, mais fun. Non, parce qu'elle est brillante. Vraiment. Mais non ! Non, mais tu cherches vraiment la mère. C'est encore un compliment. Elle, c'est... Est-ce que tu peux parler à Julia de Funès et l'inviter en débat avec toi, mais ici ? Non, mais je sais plus, ça va devenir grotesque, cette affaire. Elle, c'est... Non, mais arrête, elle va pas venir. C'est toi qui a... Elle c'est est toi docteur qui a donné un écho à cette histoire. Je l'ai vue en conférence. Elle est docteur en philosophie. Elle te déchire la tronche avec des arguments autour de Nietzsche, Lacan et Freud. Moi, j'y vais avec d'autres arguments. Mais le résultat est un peu le même. C'est de bousculer un peu tout ce bazar.
bousculer les idées reçues sur l'entreprise, le management, voilà. L'entreprise agile, l'intelligence collective, toutes ces choses-là. Elle est riche, il y a de quoi dire. Gilles, elles sont toutes agiles. Oui, agiles, de Gilles. Ouais, c'est une blague de Bertrand Dupérin. Salut, non, Bertrand. C'est une blague. Elle était à Almanach Vermeaux 1912, l'entreprise agile n'existait pas encore. Ils avaient déjà fait la vanne de l'entreprise de Gilles. Donc, non, Bertrand Dupérin, que j'aime bien d'ailleurs, il l'a volé. Non, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi tu voulais que je te réponde un truc. Parce que ceux qui nous écoutent cherchent. Mais t'en sais rien. Mais laisse-les chercher ce qu'ils veulent. C'est comme si quand les politiques ils disent les Français veulent. Non, okay. Ceux qui t'écoutent. Je vais le reformuler. Ils veulent voir des trucs. Intuitivement, déjà, je pense. Ils sont malaises parce qu'ils regardent une heure et demie de merde. Non, c'est monté. Arrête, on va pas mettre ça au montage qu'on dit qu'on va couper. Mais je vais prendre les meilleurs passages. Je reformule. Intuitivement parlant, je te garantis, eu égard. Aux échanges que j'ai avec ma communauté, qui a ça, il y a toujours une ils sont très souvent, dans leur majorité écrasante, en quête d'une petite inspiration, voire d'une grande inspiration. Et ben donc tu as beaucoup de pression sur les épaules, mec. Ouais, on en attend beaucoup de toi. Je sais pas si tu as compris, après ces 2h57 d'échange, oui. J'en veux pas, moi, de l'aspiration. Mais pourquoi ? Je veux pas, mais parce que ça me... Donc j'arriverai pas à te faire dire que ça fait partie de tes moteurs. Non. De quoi ? Inspirer les autres, leur donner envie de se libérer. J'aime bien, mais en même temps, ça fait peur, tu vois. Ça te fait peur à toi ? D'inspirer ? À moi. Tu dis, mais j'inspire, en fait. Non, mais j'inspire quoi ? Non, mais en fait, c'est le problème de l'humour. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas penser sérieusement les choses. Et pourtant, les gens, ils te demandent vraiment. Donc, on fait quoi ? Eh bien, je continue à faire ce que je fais. C'est-à-dire, j'essaie de dire des choses inspirantes avec humour. Donc, j'arriverai pas à tirer les verres du nez là-dessus. Non, parce que non, mais parce que fondamentalement, moi-même, alors peut-être que là pour le coup, je pense un petit peu 3 mois ce coup-ci. C'est très très long. Tout à fait. Mais on va faire. voilà. Non, mais fais-moi confiance, je vais prendre les meilleurs passages. J'ai enlevé les trucs où, notamment moi, j'ai été pas forcément bien dans les questions. Ok, donc je vais terminer là-dessus si tu veux bien. Donc, je reprends. Attention, cut. La raison pour laquelle j'insiste et je t'amène sur ce terrain-là, c'est peut-être moi qui suis obsédé par ça. Mais, et d'une, j'ai remarqué que les gens, dans leur écrasante majorité, s'ils prenaient le soin de regarder une vidéo sur Internet, qu'elle soit en français ou en provenance de je ne sais quel gourou américain, dans leur écrasante majorité, ils recherchent une inspiration. Mmh. Et comme tu es speaker professionnel, je voulais t'amener sur le terrain de ce que tu veux changer, ce que tu veux bousculer, les inspirations que tu veux diffuser chez les gens, comment tu veux les aider, tout ça, qu'est-ce que tu veux leur apporter. Si tu me dis... Non, c'est pas ça, je ne l'ai pas formulé, je comprends. Mais si tu y réfléchis activement, tu vas nous rendre service. Si tu me demandes à un moment mon how, mon why et mon truc, par exemple, je te réponds et je te l'ai dit. J'ai envie de laisser penser aux gens, d'abord que le monde est totalement absurde, donc que chercher du sens dans l'absurde, c'est absurde. Ensuite, que tout est possible, que tout est possible. Et c'est ce que j'aime faire, moi, en one-to-one avec les gens quand je les rencontre. J'adore mettre cette petite graine, c'est mon petit défaut, que les gens ils sortent de là en se disant « Ah ouais, putain, peut-être que je peux le faire. » Et ça, je kiffe. Et donc après, dans mes vidéos, j'essaie de transmettre ce côté un peu foufou, un peu libre, ouais. J'adore être libre. Non, mais t'as dit une bombe pour moi, là, au début de cette phrase. C'est ça que j'attendais. T'as dit « Le monde est absurde. Si tu mets ça en prérequis, on est libre. Si Dieu n'existait pas, faudrait l'inventer. » Non, mais pour moi, c'est la clé. C'est que c'est tellement dingue que quand tu passes tes journées à chercher du sens... Ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Quelqu'un que t'aimes qui meurt dans trois heures et tu dis mais pourquoi lui ? Si tu cherches ça, c'est mort. Tu vas passer 8 ans en deuil sans comprendre. Tu dis pourquoi lui il réussit et pas moi ? Mais arrête de réfléchir à ça, fais tes trucs. Ça n'a pas de sens, rien, c'est rien. Donc moi j'ai arrêté de chercher un sens, je me concentre sur ce que je dois faire. M'éclater, gagner de l'argent, protéger les proches, tu vois, les choses assez... on ne se perd pas dans les trucs, quoi. Donc, ouais, j'aime bien inspirer ça, de dire, bah ouais, je peux le faire. Tu vois, mon TEDx Paris, de 2014, pendant des mois et des mois, des gens m'envoyaient des mails en disant, et ton truc, j'ai filé madame et tout. Je dis, mais what ? Bah, les mecs, vous êtes fous, quoi. Tu te rends pas compte, en fait, mais t'as raison, qu'il y a des gens, ils sont pris dans leur truc. Ils attendent qu'on les libère, souvent. Ouais, mais moi, j'ai... Et moi, le premier, moi je veux libérer personne. Je dis juste, putain, vas-y, quoi. Elle leur tourne, hein. Le compteur tourne. Vas-y.
Il faut y aller. Faut juste, qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent encore, donc là, c'est un vrai sujet. La peur, le regard des autres, ok, mais vas-y. Bon, je n'ai qu'un regret concernant 2020. J'aimerais que tu sois un YouTuber international. Mais non, mais c'est trop tard. J'ai raté le train de YouTube. Mais là, non, mais j'ai pas accompagné trop tard. Les petits. Tu as le contenu. Il y a le petit Cyprien qui était venu me voir. Mais tu as le contenu. Le petit Cyprien, il a vendu sa boîte, ses millions d'euros. Non, je rigole. Mais de deux, avec le contenu que tu as, mais moi j'aimerais consommer ta chaîne YouTube, sincèrement. Quitte à t'aider à la faire. Frédéric, je t'ai d'abord dit, il fallait boire une bière. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. C'est dans la fin de la première partie. Allez, on fait une pause, chers amis internautes. Nous, on fait un petit clac. Voilà. Clip, clac. On vous retrouve après. Quel est, toi, ton secret pour pour te mettre de bonne humeur? Parce que d'abord, tu connais Alain. Mais carrément. Voilà. Et quel est ton secret pour te mettre de bonne humeur quand tu fais de la télé? Quand je fais de la télé? De la télé, du web, du TED, de la conférence. Alors, je n'ai aucun secret. Et je ne suis pas de bonne humeur. Et ça te vient naturellement, alors? On accepte les gros mots ou pas, non? Oui, si. Bah, parce que peu, moi, je me chie dessus, en général. Ah ouais, je crois que c'est un art martial coréen, le chie dessus. Non, pour me mettre de bonne humeur, non, si, je me frotte les membres. Pas tous les membres, je me frotte les membres. Les avant-bras, les jambes, les cuisses, tout, pour mettre de l'énergie. Et après, je souris tout seul dans mon coin. Tu souris tout seul dans ton coin? Tu lis tes notes. Il lit ses notes en permanence. Il vous fait croire qu'il ne lit pas ses notes, mais il lit ses notes. Non, en fait... Imagine, tu peux faire caméra de connivence si tu as envie de dire des conneries. Et je ne vais pas me priver, il lit ses notes. Comment veux-tu que je te parle, Frédéric, si pendant ce temps-là, tu regardes vers le bas? La vérité. La vérité. Si je mens. Il va nous dire la vérité. C'est que ce n'est pas mes notes. C'est que comme un con, j'ai oublié de mettre le téléphone en mode avion. Et j'arrête pas de refuser un appel depuis tout à l'heure. Sans déconner. Voilà. Mais effectivement, j'ai des notes parce qu'on a échangé un petit peu sur le web. J'ai noté des petits trucs. Je ne voulais pas oublier. Alors d'abord, ce que je voulais pas oublier, c'est que c'était alors Émile Auguste Chartier, ça c'est fait, c'est pour faire intellectuel, prouver aux gens que je sais quel est le vrai nom d'Alain. Parce que moi je savais pas, j'étais là en me disant, mais de quoi il parle? Ok, c'est Alain, c'est son voilà, nom, c'est bien sûr. Propos sur le bonheur, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas appelé Émile? Oui, c'est vrai, c'est il aurait bizarre, pu garder. Émile, mais il voulait à l'époque être totalement anonyme, comme aujourd'hui on efface ses traces sur le web. D'accord. Lui, il voulait être un philosophe anonyme. Ok. Alors d'ailleurs, on va parler un petit peu du web, les traces sur le web, tiens, ça me donne une idée. Ouais. Moi, tu sais pourquoi je t'ai particulièrement adoré à une époque? Mais c'est non. Que tu as arboré le combat pour les libertés numériques. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, quoi. Donc déjà, top là. Parce que perso, j'en ai chié. En faisant quoi? Parce que... alors déjà, t'étais pour. J'ai pas la mémoire de mes propres actes. Bah, pour moi, tu fais partie... J'ai libéré l'Internet, non? Voilà, t'as non, libéré... J'ai défendu la libération d'Internet. Voilà. Okay. Non, mais déjà, t'étais pour la liberté numérique. Carrément. Ah, voilà. Moi, je suis toujours. Et t'es pas un pote... À fond. Des... gens de l'école de Harvard qui ont nuit à la neutralité du net. Je ne suis pas très pote avec eux. Mais ils s'en foutent un peu d'ailleurs. Mais... Non, moi je suis pour la neutralité du net, absolument. Alors il y a un truc, moi, qui me dérange et me rend malade, mais c'est le passage, forcément on va avoir l'air de vieux cons, c'est que nous on a vu arriver l'Internet, les moments magiques, la découverte des réseaux sociaux, la liberté, etc. Et entre-temps, et là il faut l'expliquer aux jeunes générations, il y a quelque chose qu'on a perdu. Notre virginité. Notre virginité, au passage. Ça, faut pas l'expliquer aux gens. Plusieurs fois. D'accord. Et puis surtout, on a perdu, justement, la neutralité du net. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses dont tu as envie de parler, alors aux jeunes générations, voire aux professionnels, et leur dire, c'est pas ben. Parce que moi, j'ai envie de leur dire, c'est pas ben, ce qui se passe. J'ai l'impression que tu as envie de dire plein de trucs, et que tu es déçu parce que j'ai pas encore dit les choses. Alors moi, si ça te fait plaisir, je le dis aux jeunes. On a perdu... La bataille des libertés. Des libertés. Et ça, numérique. Ouais, ça fait chier. Parce qu'on était bien. Ben oui. La puissance de l'analyse. T'es mal? Non, je vais t'expliquer. Non, c'est parce qu'il faut dire aux jeunes, en fait, les jeunes, parce que dès que tu dis jeunes, je pense à mes enfants, qui sont jeunes, ils ont 18 et 16. Donc, si je leur dis on a perdu la bataille des libertés numériques, ils vont me regarder et ils vont dire, mais de quoi tu parles, quoi? De quoi tu parles? Parce que pour eux, c'est pas un enjeu. Non, mais je te jure, nous, comme tu dis, mais c'est ça qui on fait a vu peur, monter le truc. Mais eux, là, du moment qu'il a Snapchat, qu'il peut écouter Spotify, qu'il a ses meufs sur Instagram, lui, il a la liberté numérique, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est notre réflexion à nous, ce qui n'est pas faux. Donc, je vais dire aux jeunes, si tu veux continuer sur Snapchat, fais quand même gaffe à l'école de Harvard, méfie-toi de Donald Trump, réfléchis bien quand tu mets tes données sur Internet, tout ça. Mais ouais, eux, ils sont cool, hein, je te jure qu'ils s'en battent les noisettes, vraiment. Les jeunes générations ne se rendent pas forcément compte dans quelle merde on est. Ouais. Mais moi, je constate que les choses vont aller en s'aggravant. On a des lois de censure qui passent.
on a, enfin, moi je vis tout ça comme une énorme atteinte à la liberté. Alors, je ne parle pas de la liberté de 2020 et la mienne, de nous amuser, etc. Je parle, ouais, de liberté beaucoup plus fondamentale et qui se situe dans les interstices du web, quoi. Tout à fait. Bon, alors comme tu es un peu une figure de l'Internet, j'ai un peu envie d'avoir une gueulante de 2020 qui regarde sa caméra mais de connivence et qui dit « Les gars, ça peut pas durer !» Non, c'est ça, non, mon gars, le problème, c'est, ouais, que moi je fais pas de gueulante. D'accord. Je suis déçu, je pensais. Sur commande. Fallait me prévenir sur la gueulante sur l'internet, j'aurais appelé mes potes, la quadrature et tout ça, j'aurais amené 2-3 hackers, on serait venu à 12. Ouais. Mais là, la gueulante sur l'internet, en plus j'ai l'impression que c'est tellement énorme comme gueulante que, ouais, là, il va falloir s'organiser pour faire une gueulante. Puis il y a des gens qui font ça bien. Moi, je sais pas, je suis déçu, je suis triste, ouais, j'ai peur un peu comme toi, mais je sais pas gueuler là-dessus. Ouais. Tu veux que je gueule sur les trucs, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que... Mais franchement, ça va aller nulle part, quoi. Franchement, ça si c'est... Ben oui, c'est ça, mais si c'est pas les gens comme nous qui essayons d'expliquer aux autres, ouais, mais alors, il faut ce qu'on faire a un perdu spécial ces dernières années... Il faut faire un truc spécial, il faut emmener 2-3 gars, puis on va faire un... Ouais. On fait un ring, tu vois, on explique. Ouais. Mais là, les mecs, ils voient rien. Ouais. Faisons-le, réfléchissons peut-être à la manière de formuler ça. Parce que c'est un combat qu'on a certes perdu d'un point de vue juridique, légal, à l'échelle de la planète. Mais tu m'as l'air, etc., beaucoup plus militant que ce que je pensais. T'as vu, ouais, hein, tu je pense pas que c'est toi qui devrais être là à t'énerver et moi je t'interview. Bon, ben, je le ferai la prochaine fois, ouais, sérieusement, parce, ouais, que là, bon, ça peut pas durer. Ok, on va revenir sur un sujet un petit peu plus léger. Là, il se dit, oh putain, merde, je voulais faire de la politique et tout, puis le gars il est léger, il répond à rien. N'empêche, tu plaisantes sur la politique, mais j'ai vu tes slides assez drôles sur la famille Le Pen quand tu es passé, ah ouais, l'échappée belle. L'échappée volée. Ouais, l'échappée volée. Ouais, sur le... C'était très drôle. Hein. Oui, drôle et pas tant que ça. Hein, le produit fini. C'est ça. Oui, tu vois, tu t'intéresses à des sujets. Je me souviens de ce que je fais, oui. C'est que Marine Le Pen, c'était le... Ah oui, non, c'était la maquette et que Marion Maréchal, c'était le POC, c'était le produit, le proof of concept. Moi, je triche, je viens de voir, j'ai vu, ouais, la vidéo plus récemment. Donc, j'ai pas dit ça. Donc, en fait, le produit fini, c'est Marion Maréchal Le Pen. Oui, c'est ça. Le POC, c'est, ah, sa, ouais, maman. Et avant ça, t'as le MVP. Ouais, c'est le MVP. C'est là que tu m'as vraiment fait mal. C'était le père, c'était, bon, Jean-Marie Le Pen, ouais. Bon, donc là, tu as quand même, oui, des combats, rigolo. Non, mais j'ai ton en image fait, pour diffuser des choses. Ouais, dire pas des choses. Souvent. Pas souvent des trucs, d'accord, politiques. Et là, parce que c'était l'échappée volée, c'était un petit comité. Après, bon, c'est sûr, la vidéo repasse. Mais en politique, je suis pas super à l'aise. C'est que des énervements individuels, ouais, comme on en a plein. Je me, ouais, sens pas hyper légitime. Je me sens, ouais, pas hyper cultivé en politique. Mmh. J'ai des énervements de comptoir, en fait. C'est pour ça que, ouais, et souvent, d'ailleurs, quand je les ai sur Twitter, je me fais déchirer. Ouais. Parce que, ouais, ok. Ouais, ouais. Donc, voilà, je ne suis pas hyper à l'aise en politique. Tu as un peu parlé des événements récents, les gilets jaunes, comme ça, ou tu t'es, non, pas frotté. Mais tu vois, les gilets, ouais, jaunes, j'ai eu envie d'en parler tous les mois, et à chaque fois, je me suis dit, ouais, j'ai bien fait de fermer ma gueule. Parce que je ne suis pas sûr de ce que je pense. Mais en fait, de manière générale, Frédéric, ça va nous aider pour la suite, d'accord, je ne suis jamais très, très sûr de ce que je pense. Très bien. Je suis médian comme mec. D'accord. J'ai horreur des conflits. Donc, tu vois, si le mec, il est vraiment sûr de lui devant moi, je dis, ouais, ok, pas de problème. Bah, ok, il n'y a pas de problème. Je n'irai pas me battre pour une idée tout de suite. Ouais. Je reviendrai après avec, ouais, des copains. Pour... Et au fait, donc, je ne suis pas sûr parce que, je sais pas, tout est mesuré, tout est équilibré. Et donc, je n'arrive pas à être totalement pour un truc, totalement contre. Donc, sur Internet, quand tu es comme ça, tu as juste, bon, bah, c'est le mec, il est gentil, il raconte ses trucs. Tu vois, ouais, ce que je veux dire? On parle politique, là. Hein. Je ne parle pas forcément, oui, d'autres sujets, mais... Bien sûr. Bon. Je n'empêche pas d'avoir des idées, et puis de temps en temps, même, je veux faire de la politique. Ouais. Et puis, tu es quand même un grand habitué des tweet fights, on va dire, et des gens qui te tombent dessus dès que tu mets une virgule de travers. Ouais, j'en ai eu un paquet, ouais, au début. Mais maintenant, j'ai une philosophie sur Internet, c'est super simple. Si tu me parles mal, je te vire. Ouais. Voilà. Mais sans débat, sans rien, tu vois. Delete, c'est hyper agréable. Ouais, j'ai découvert ça aussi. C'est jouissif, mais tu perds pas de temps. De temps en temps, j'ai des petits relents, hier ou avant-hier, parce que là, je découvre un peu en ce moment sur LinkedIn à comment sont les gens. J'ai une petite volonté de discuter un ou deux trucs. Je vois que le mec, il reste, supprime. Ah, je dois dire, au fait, tu c'est sais bon, comment j'ai pensé à t'inviter? C'est en voyant tes nouvelles vidéos sur LinkedIn. Très bien, très bien fait. D'ailleurs, on va diffuser ça aussi sur LinkedIn, d'accord, pour ma propre communauté. Moi, je suis plus actif sur LinkedIn que sur YouTube, d'ailleurs. Bah, je suis vraiment une brêle sur YouTube. Hein. Je te demanderai peut-être des conseils. Je sais, ouais, pas. Non, mais il paraît quand on est youtubeur, tout de suite, c'est quand même mieux. Je ne suis pas youtubeur. J'ai arrêté de faire des vidéos quand YouTube est arrivé. Tu vois ce qu'on appelle le flair? Ouais, mais en même temps, t'es sur YouTube assez présent. Non. Ah non, regarde bien, j'ai bon, des vieilles moi, vidéos. Moi, j'ai tapé 20-20 sur j'ai YouTube, j'en ai eu pour ah, mon grade. Mais il y en a en masse.
mais j'ai pas fait de vidéo pour YouTube, ouais, comme les mecs qui sont YouTubeurs, donc travailler, devenez potes, likez, envoyez à vos trucs. Non, ça va changer ça ou pas? Non, je pense pas. J'ai pas le temps de faire ça, tu vois. Mais non, tu arrives quand même sur LinkedIn. Ouais, alors LinkedIn, c'est différent. Alors pourquoi? LinkedIn, j'aime bien. En fait, LinkedIn, c'est parce que d'abord, j'avais re-envie de dire des trucs. Tu vois, j'ai la patate en ce moment. J'ai la patate. Et tout d'un coup, je me suis dit, putain, j'ai pas parlé. C'est pas que ça manque aux gens, hein, mais j'ai pas dit des trucs. Je me suis dit, m'exprime plus en fait. Parce que sur Twitter, tu te fais des bananes. Sur YouTube, je le fais pas. Sur Facebook, ça va pas très loin. Enfin, c'est sympa, c'est convivial. Et surtout, j'ai horreur de. Donc, j'aime pas les agressions, les gens mal élevés, les trolls et tout ça. Donc, il n'y avait plus d'espace. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si. Sur LinkedIn, les gens sont plutôt sympas, parce qu'ils font gaffe à leur image. Oui. On va voir si ça fait quelque chose de faire une vidéo. Et puis, je me suis dit, en plus, il n'y a pas grand monde qui fait des vidéos sur LinkedIn. Tout le monde fait des petits posts, des trucs. Je me suis dit, ah, ce serait marrant d'aller foutre un tout petit peu, pas le bordel, mais voir un petit peu ce qui se passe. J'aime bien. Quand même, bien. Ça te démange un peu. Oui, ça me démange. Remue un peu les cocotiers. J'aime bien. J'y peux rien, j'aime bien, tu sais. Et donc, voilà, mais j'ai fait vidéo. Alors, mon principe était simple, c'est, je fais une prise et je la poste. Point qu'elle fasse 14 secondes ou 14 minutes et que j'ai une sale tête comme ce matin quand je viens de me raser, j'ai les rougeurs et mauvaise lumière parce que j'ai pas le temps, je veux pas qu'on voit la déco ni rien. J'enregistre et je filme. C'est-à-dire, c'est l'inverse de toi. Alors, toi, c'est Hollywood, moi, c'est Bollywood. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai. Oui, oui, mais il faudra quand même que je t'explique et j'ai envie, d'ailleurs, j'aimerais un jour expliquer aux gens que de même qu'il y a des geeks de l'internet ou des geeks qui démontent des ordinateurs. Toi, et c'est là, les caméras. Voilà, moi, à l'âge de 8 ans, je tombais dans les caméras. Alors, à l'époque, c'était les Super 8, mais les trucs bien pourris, puis les VHS. Et voilà, et pour moi, c'est presque comme avoir un stylo. J'ai toujours eu un petit stylo. Élément de studio, voilà, un gros stylo. Mais non, mais c'est super, mais ça fait rêver. Moi, j'adore, mais j'adore aussi. Alors, par ailleurs, j'utilise beaucoup pour faire des formations et pour aider les gens aussi à se décoincer face à la caméra. Il y a un gars qui va faire son pitch sur BFM, il flippe, il m'appelle 3 jours avant et il s'entraîne. Je te dis un truc pour ton truc, c'est que tu transpires là. Je sais pas si tu veux que ça se voit merde, ou pas. Ah merde, putain. Ouais. Attends. Alors. C'est pour toi, hein, parce que. Non, mais tu as bien fait de le dire. Bouge pas. Tu peux changer de chemise, ça fait décaler, c'est drôle. Même si c'est pas la même couleur. Il y a ça aussi, ouais. Ah merde, pourquoi? Bah, t'as chaud, hein. Oui, mais j'ai fait le con. J'ai pris un café en étant. Et alors, c'est parce que des. Oh, merde, putain, c'est chiant. Alors ça se. Attends. Je pense que ça se voit pas. Bouge pas. Parce que t'as les. Ouais, ça se voit pas. Là aussi. Ouais, ça se voit pas. Attends, c'est ce côté. Tu vas regretter des heures si jamais ça se voit. Ouais, tout à fait. Merci de l'avoir dit. Bon, ouais. C'est. En fait, j'apparais très peu à l'image en fait. Tu vois, t'es de dos et je suis juste en insert. Donc bon. Écoute. Mais c'est vrai que c'est pas top. Tu me donnes une seconde. Je vais te juste donne tout ton temps. Utiliser le ventilo. Moi, je vais parler à la caméra. Voilà, tu peux parler à la caméra tout seul. J'arrive, excuse-moi. Donc, à l'instant, Frédéric est parti à la salle de bain, car compte tenu de la chaleur qu'il a lui-même installée dans son studio, il faut savoir que l'énergie déployée par le studio de Frédéric équivaut, je pense, à celle des fermes d'Amazon, des fermes de serveurs. On a pu trouver une meilleure vanne. Il revient, je ne dis rien. Il revient, comme au théâtre. Ah non, il ne revient pas. Je suis embêté parce que Frédéric, tu voulais... Eh ben non, il n'y a pas de sèche-main là-bas, je croyais. Pas très peu. T'as quoi? Il n'y a pas de sèche-main. J'ai mis les clims à fond pourtant. Bon. Écoute, c'est pas grave. Ça, je suis convaincu que ça ne se verra pas en fait, parce que tu es devant moi. D'accord. Mais merci de me l'avoir dit. Là, bah c'est non, vraiment. Mais... Ou alors, tu sais, il faut qu'on atteigne le point où tu transpires tellement qu'elle devient bleu marine. Foncé, ouais, absolument. tu te rappelles où on en était? J'en étais à Pot de Couille. Non, j'en étais à LinkedIn, de mes vidéos LinkedIn avec des gens polis. Voilà, c'est ça. Alors, oui, alors, si je sais sur quoi je vais t'amener. Ok. Tu acceptes un conseil de ma part sur LinkedIn? Enfin, mais carrément. Moi, alors je vais t'expliquer. Des considérations, mais dis-moi d'abord. Concept, conseil, critique, remarque, considération, ce que tu veux, du moment que c'est gentiment dit, moi je prends tout. Moi, ce que j'aime bien sur LinkedIn, c'est les gens qui arrivent et qui savent, qui te disent des trucs. Et toi, tu devrais pas faire des vidéos de 15 secondes plutôt, connard. J'ai dit, bah toi, tu vas te prendre ton LinkedIn dans le... Et puis tu me parles plus. Voilà. Donc si tu as des conseils, mais je prends, ça fait 20 ans que je prends tous les conseils. Alors, sachant que voilà, c'est pas vraiment des conseils. Ouais, alors bon, en fait, je voulais dire, tu devrais te coiffer. C'est pas vraiment des conseils. Pardon. Justement, tu m'as presque enlevé les mots de la bouche. Tu viens de mettre le doigt justement sur une petite forme de perversité qui est liée au fait que les trolls ne peuvent plus se cacher derrière leur pseudonymat. Ça, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais. Non, mais c'est bien, mais... Ah. Alors, mais...
tu vas être confronté. Les trolls, si tu veux, se contiennent au maximum. Ils ont besoin de faire sortir leur méchanceté sous forme de petites remarques politiquement correctes, qui, paradoxalement, je trouve, font encore plus mal parfois, parce que, si tu veux, elles s'insinuent comme ça. Alors, j'ai vu que tu as eu affaire à une sorte de troll gentil, parce que tu as osé émettre une critique sur son bouquin. Et la manière dont elle t'a mis à ta place en douceur, tu vois. Oui. Mais en même temps, il faut dire, c'est plus fin que le troll bourrin. Non, là, c'était de l'élégance, parce que... C'était de l'élégance, mais c'était... De quoi parles-tu? Je vais le dire pour les gens. Voilà. Parce qu'il ne dit pas de quoi il parle. Tu parles de Julia de Funès. Voilà. C'est ça, qui est une philosophe. J'ai adoré, d'ailleurs, le passage. Je me suis marré. Ouais. Elle est brillante, elle est assez brillante. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En plus, c'est ça qui est dingue. Arrête de chayoter pour pouvoir me battre avec elle. Mais non. C'est une manière de faire ton mea culpa. Non, je ne fais pas de mea culpa. Je sais qu'elle est fâchée, donc maintenant, c'est trop tard. Mais donc, j'ai écrit un article qui était sympa. Je disais que j'aimais bien son bouquin, en plus. Tu vois, juste, je la chipotais sur un truc. Mais j'ai interprété sa pensée par des mots qu'elle n'a pas aimés. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs. Ça arrive, je suis désolé. J'aurais pu lui dire je suis désolé. Mais non, parce qu'elle est venue, elle était agressive. Et j'ai dit que non, chez moi, on n'est pas agressif. Et comme je le disais d'ailleurs, normalement, Julia de Funès ou pas, je supprime ce genre de commentaires désagréables qui te traitent de malhonnête ou de je sais pas quoi. Mais là, comme c'est elle, que je l'avais croisée plus ou moins, qu'il y a une petite forme de petit fight qui est sympa, tension, je me suis dit, allez, Julia, on se remet à une petite histoire. Et puis non, puis elle ne m'a pas répondu. Je m'y attendais. Tu sais, je pense qu'elle a autre chose à faire et je pense qu'elle fait bien de laisser retomber la chose. Voilà. Mais tu vois, mon point, c'est ça. C'est que ce que tu vas découvrir donc sur LinkedIn, c'est une manière biaisée, détournée pour les uns et les autres de briller avec cette petite forme de perversion narcissique qui consiste à dévaloriser l'autre en douceur, tout ça. Alors moi, je ne dis pas que j'en ai beaucoup, mais il y en a, on va dire en moyenne, 1 sur 100, 2 sur 100, allez, peut-être 5% maximum. Il y en a, mais ça fait du bien. Parce que du coup, tu dis, ah, c'est peut-être pas si aseptisé que ça. Mais alors, le problème, c'est que ça fait du bien, mais non. Là, j'ai vu un gars qui est patron d'une boîte quand même, PDG. Bon, sur LinkedIn, tout le monde est PDG, mais bon, il est head of lui-même, PDG of myself. Voilà. Et qui m'a dit sur une vidéo un truc du genre, pute à like, sans intérêt. Et là, je me suis dit, attends, merde, je suis sur Snapchat, je suis sur Twitter. Ah non, je suis sur LinkedIn. Et je regarde le profil du mec, PDG de je sais pas quoi, un groupe de conseil quand même. Et là, je me dis, mais c'est fou quoi, le mec. Non, rien à foutre, il est PDG. C'est l'ambiance qu'il met dans sa boîte, tu vois. Le mec, je suis sûr que si on parlait, il dirait « Ouais, mais nous, on est cash, tu vois. On est cash, on dit ce qu'on pense, tu vois. » Donc moi, je vois un mec que je ne connais pas qui fait des vidéos de merde. Je lui dis « Putain, like, sans intérêt. » Et moi, je supprime. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs… T'as pas écouté, si je supprime. Oui, tu supprimes, voilà. T'as raison. Ce qui m'amène justement à l'étape d'après, c'est-à-dire parler un petit peu de cette culture quoi, qui nous rassemble, cette culture numérique, enfin réseaux sociaux, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on dirait quoi, la culture de... Digital, je ne sais pas. Digital, ouais, c'est bien. Avec les doigts. Les sommets du digital auxquels tu as participé. J'aime beaucoup digital, les sommets du digital. Est-ce que c'est une culture dont tu te réclames, qui te définit quand tu sors du monde d'Internet? C'est quand même, ça revient, c'est 2020, l'homme précurseur des buzz et des blagues sur Internet, tout ça, les gens aiment bien ça. Ah ouais, ils disent ça, même sur des émissions télé, j'ai regardé, tout ça, pour faire connaissance avec toi. Ça te sert, c'est un bon levier, ça, c'est une bonne manière de se définir? Écoute, ou c'est un peu de temps en temps, de toute façon, moi, je ne choisis pas tellement les leviers qui me définissent parce que je fais tellement de trucs. Que si je sors plutôt dans le monde du théâtre, là je dis que je suis plutôt auteur et que j'en suis à ma 4e pièce et que je travaille sur une autre pièce. Si je suis plutôt dans les événements du digital, bah, je dis que j'étais dans une start-up à San Francisco et que j'ai vécu ça pendant 2 ans, plus tous les blogs et les réseaux sociaux. En fait, je choisis la petite carte en fonction de là où je suis. Tu vois, c'est parce que j'aime pas les conflits, donc je vais pas parler de théâtre à Vivatech, les mecs ils vont être fâchés. Tu vois ce que je veux dire? Et inversement, je sais pas. Donc, tu as un petit côté un peu caméléon, protéiforme. Je suis exactement caméléon. Caméléon. Et j'adore de me déguiser d'ailleurs. Mais c'est peut-être ça finalement, la culture numérique telle, qui nous a été inculquée, c'est-à-dire cette multiplicité des environnements, l'accès rapide à plein d'écosystèmes. Oui, peut-être. Ça nous transforme. Hein. Ça nous transforme. Moi, en tout cas, ça m'a vachement permis de m'amuser. La première chose que j'ai faite sur Internet, c'est de mettre une perruque. Vraiment. En 2004, j'ai mis une perruque et je me filmais avec un Nokia dans ma voiture et je me faisais passer pour un mec du FBI. Alors que j'étais chef d'entreprise, hein, je dirigeais une agence de com, mais je me suis tout d'un coup mis à m'amuser sur Internet. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de refaire aujourd'hui, 15 ans plus tard. C'est juste pour le fun, comme j'expliquais dans les vidéos. Je n'attends pas de revenus de faire le con sur LinkedIn, pas direct en tout cas. Oui. Je fais le con. Non, après, si ça fait des rendez-vous, des trucs, tant mieux. Mais vraiment, ça fait du bien de se marrer. Il n'y a plus tellement d'endroits où on se marre. Et oui, caméléon de lunettes, parce que caméléon, ouais, j'ai...
Mais je crois que je finirai caméléon jusqu'à 90 berges, si je peux aller jusqu'à là, c'est de faire plein de trucs. Quoi. Alors, il fut un temps où les start-upers, tu sais, on s'en dit, bon, il va falloir qu'on commence à se prendre au sérieux. Puis on est rentré, tu sais, après, il y avait le mot-clé qui était e-business, après il y a start-up. Mais quelque part, au milieu des deux, là, il y a cette question-clé qui est émergée, qui était, c'est quoi ton modèle économique, hein? Tu te rappelles? C'est quoi ton modèle économique? Le modèle économique. Ben, moi, mon modèle économique, c'est des conférences. Bon, très bien. Alors, on passe à la suite. C'est maintenant, hyper simple. Ouais, mais alors maintenant, parce que comme tout le monde s'est rendu compte que cette question était un peu naze, d'accord, on est passé à un truc plus élaboré avec un de tes petits copains de TED, Simon Sinek, hein, qui a lancé la question du why. Donc maintenant, on ne dit pas c'est quoi ton modèle économique, c'est quoi, ton, c'est why. Quoi ton why. Mais après, on va avoir une discussion sérieuse sur le why. Mais je te la pose d'abord pour voir ce que tu réponds. C'est pas simple, cette question de Simon. Mais moi, mon why, enfin, on va dire donc on l'a refait. Donc moi, mon why, pour traduire, c'est qu'est-ce qui me fait lever le matin, en fait. On va dire, c'est le pourquoi. Pourquoi je bosse? Pourquoi je fais les trucs? Moi, j'aime bien donner envie aux gens d'être qui ils sont et de s'éclater et que tout est possible. En fait, j'aime bien imaginer que tout est possible. C'est ça, mon why. C'est d'arriver à faire transmettre, d'une manière ou d'une autre, que tout est possible. Ça veut dire, tu peux te lancer à faire ça, tu peux créer une boîte, tu peux te vautrer, tu peux partir, tu peux revenir, tu peux, tout est possible. Voilà, c'est mon why, c'est ce qui me bouge le matin. Qu'est-ce qui va me faire faire ce matin un truc qui me fait dire ça? Bon, tu l'as mis sur ton profil LinkedIn, j'espère? Non. Non, parce que blague à part, il y a des mecs en fait qui mettent sur leur profil LinkedIn. Et leur en why. Fait, je tiens à dire, j'ai un problème avec ça. Ils disent mon why, deux points. Après, ils mettent mon what et mon how. Ouais. Bon, on va jouer le jeu, dis-moi vite ton what et ton how. Mais après, je vais expliquer que ces questions sont débiles. Mon how, c'est how. Mon how, c'est parce que c'est d'abord why, ensuite c'est how et à la fin c'est what. Exact. Donc why, eh ben tout est possible. How, ben je fais du en le possibilisant, en le faisant en fait, mais en le démontrant. Après je me trompe parfois, je me plante, mais en ayant créé des boîtes, en faisant du théâtre, en faisant du conseil, en faisant des conférences, en faisant plein de trucs. Et le what, donc c'est quoi le what? C'est l'objet final à la fin, le truc. Ben en ce moment, je suis. C'est ce que c'est, ce qu'on vend. Ce qu'on vend, bah, je vends des conférences et des pièces de théâtre. Très bien. Qui parlent un peu de ça. C'est toujours la libération et la vérité. Bon, alors je vais te dire, en fait, moi, je vais me faire plein d'ennemis en disant ça, parce qu'en fait, je trouve maintenant que Simon Sinek, c'est vraiment c'est galvaudé, quoi. C'est vraiment. Je me mets les doigts dans la bouche, j'en peux plus, j'ai les oreilles qui saignent à chaque fois qu'on m'en parle. Pourquoi? Parce qu'on ne retient généralement du fameux pourquoi, justement, que la portion congrue, c'est-à-dire l'élément sémantique de la question. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire, parce que. Alors qu'en fait, il fait référence à quelque chose qu'on ressent à l'échelle de notre système limbique, notre subconscient. C'est-à-dire qu'il nous donne lui-même l'exemple de Steve Jobs, mais Steve Jobs n'aurait pas été forcément capable d'exprimer son why aussi bien qu'on l'a fait après. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une sorte de travail de rétro-engineering, de why, quoi. C'est compliqué. Et je trouve que maintenant, c'est une espèce de gadget. Voilà, ça me gonfle un peu. Mais pourquoi ouais, j'ai besoin est-ce de que tu es énervé contre Simon Sinek? Je suis pas énervé contre lui. Je suis énervé contre le galvaudage. Mais ouais, mais bon, le mec, c'est un malin. Il fait... Putain, c'est quoi son truc? C'est le Golden Circle. Ouais. Okay. Il fait trois ronds sur un poster avec marqué « Why, how et what ?» Et il est millionnaire. Il gagne la loterie du web. Il est malin, il est intelligent, il s'exprime bien, il le dit au bon moment. Ça, voilà. Moi, j'aime bien ce gars-là. Ça parle. Après, qu'il y ait des batteries de consultants qui fassent leur truc avec, il ne faut pas s'énerver. Alors en fait, on s'en fout. Moi aussi, j'aime bien. Je voulais un petit peu me moquer de l'abus de la chose, mais c'était en fait pour t'amener sur un autre terrain. C'est, ouais. Imagine quel est ton... que tu es voilà, above, ton, voilà, ton above et ton under. Voilà, alors justement. Imagine que tu sois le prochain Simon Sinek avec une idée géniale, simple, mais qui fait le tour du monde. Ouais. Ça, quand même, t'es pas très loin. Tu crois que je vais donner là maintenant une idée qui est milliardaire? Mais oui, mais justement, parce que cette vidéo deviendrait historique. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc je t'ai mis un peu sur la voie du truc qui, tu vois, se banalise avec le temps, mais qui est à la base une petite graine qu'on a plantée dans l'esprit des gens et qui est géniale. J'en ai un, mais c'est une vanne. Ah, voilà. C'est une vanne. Ouais, mais non. Je dis plus rien, vas-y. Non, mais elle me vient là. Donc ouais, c'est horrible, parce qu'il ne faut pas les dire, normalement. Bah, si, justement. Alors, tu as droit à tout, même l'épée de cerveau. Vas-y. Bah, on n'est pas loin. Je pensais, donc lui, il a fait le Golden Circle. Donc, moi, je pensais à The Deep Circle. Ouais, ah, vas-y. Et c'est sortez-vous les doigts. Ah, ouais. Donc, c'est la version 3D. Tu fais un cercle, c'est en volume, et tu. Et tu dis sortez-vous les doigts. Non, je sais. Non, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Si tu végètes, t'as rien. C'est implacable. T'as pas compris la vanne. Si tu végètes, t'as rien. Si tu végètes, t'as rien. Attends, je dois être endormi là. Si tu végètes, t'as rien. Ah putain! Ah putain! Allez, 3 heures pour la capter.
Ok, ça me va. Bah, écoute, je pense qu'avec c'est ça. C'est très vendeur du coup. Parce que si le non, mais je pense qu'avec ça, on vient de déclasser tous les têtes de la planète. Mais c'est vrai. En deux si secondes. Tu végètes, if you veget, you got nothing. Ça marche pas en anglais du coup, le jeu de mots. Hein. Si tu végètes, t'as rien. Eh ouais, c'est vrai. Hein. Alors, justement. Maintenant, on va faire. Alors, tu vas aller jusqu'au bout du gourou américain. Là, ah, tu bah vois. Moi, alors, bah, gourou. En plus, t'avais un peu vécu aux États-Unis. Tony Robbins. Tony Robbins, c'est ton pote? Tu l'as rencontré? Non. Non, mais t'es allé voir un de ses shows. J'ai discuté avec Deepak Chopra. Ah. Qui est quand même c'est un grand. Rien. Bah, c'est pas rien. Puis là, on est dans le gourou, dans le vrai gourou, quoi. Bon, alors maintenant, tu vas faire comme si t'étais un gourou, youtubeur du bonheur, etc. Ouais. D'accord? Voilà. Ouais. À l'américaine. Et tu vas nous dire, c'est quoi ta recette pour le bonheur? Ma recette pour le bonheur? Voilà. Mais putain, mais... Non, mais je fais exprès de te brancher aussi sur un de tes sujets mais forts. Qu'est-ce quand même. Que tu... La t'as tout lu sur le bonheur. Ouais, bah fais-nous une synthèse, là. Arrêtez de lire les bouquins sur le bonheur. En 4 bullet points, s'il te plaît. Alors, si je peux te faire la synthèse des autres. Hein. Donc, il faut vivre dans l'instant présent. Ouais. Donc moi, j'ai essayé. Le problème, c'est que ça passe super vite. Ah oui, l'instant ouais. présent. Oui, j'y suis déjà plus. Tu ne reçois pas mes vannes, Frédéric. on n'est pas vas-y, connecté là, en termes de mais vannes. Non, moi je te prends tout au premier degré. Alors, vivre dans l'instant présent, j'ai essayé, c'est super. Le problème, c'est que ça passe super vite. Ok. Point 2. point 2, il faut, comme les Hawaïens, le Ho'oponopono. Tu connais pas le Ho'oponopono? Il faut dire... pardon, merci, je vous aime. Enfin, j'en ai oublié deux, donc je suis nul en hawaïen. Il faut lire aussi les accords Toltec. Les accords Toltec, ouais, très bon, bien. Ça, c'est un bon voilà. classique. C'est un bon classique, donc, bien sûr. C'est pas forcément ne facile. Ne pas prendre à... les choses personnellement. Voilà. Ça, c'est ce que je retiens toujours. Voilà. Les autres, je les ai pas retenus. Mais j'ai remarqué tous les gens qui me toujours parlent des accords Toltec de ont du mal à se rappeler du ouais. contenu. Moi, le premier, d'ailleurs. Mais on aime bien parce que c'est petit, ça coûte pas cher à la FNAC. C'est vrai. C'est 7 euros, je crois, donc t'es voilà. bien, puis t'as l'impression de participer à quelque chose. Puis c'est un peu comme le Sun Tzu, c'est toujours en tête des charts. Si c'est tu ça. Parles de ça, t'es toujours en haut c'est comme le Sun Tzu. Des moteurs de recherche. Ok, donc merci. Donc là, on a placé les mots-clés qui nous permettent de mettre cette vidéo. On mettra des tags. D'accord. Au bonheur, sommet. Voilà. Bon, non, mais on a eu Cinec, on a eu le Y, on a les accords Toltec, tout oh, ça, bah, c'est génial. Toi, tu penses qu'à ça, ton trafic de vidéo. Mais absolument, le reste. Tu fais du trafic de vidéo. Alors on va rester sur le trafic. On va rester sur le trafic. Maintenant, non, mais plus sérieusement, puisque t'as un peu bossé le bonheur. Sérieusement, ça va être chaud ça. Ouais. Vas-y. On va voir comment on y arrive. Comment t'y prendrais-tu pour permettre aux autres d'être heureux avec un petit sous-jacent dans cette question? C'est que maintenant, tu interviens dans les entreprises, tu parles en conférence, etc. Mmh. Et j'imagine que ça fait partie de ton « why, tout est possible ouais. ». Donc, comment est-ce que tu t'y prends pour propager cette énergie-là positive qui leur donne envie de faire? Alors, c'est du quinoa le matin, ouais. beaucoup de sport, ah ouais. confiance en moi incroyable. Non, je déconne. Je ne sais pas comment je m'y prends. Je me lève très tôt. Mais on est bien d'accord que ça rentre dans ton why, ça. C'est le miracle morning. Moi, je me lève à 5 heures. Ah oui, le miracle morning. Ouais. Tain, ça me fout une pression. Ça, j'y arrive jamais. Bah voilà. Miracle morning, tu te lèves à 5 heures. Non, mais c'est vrai, tu le fais. Ouais, je fais. Moi, j'ai écrit de 5 à 7. En fait, parfois, ma journée est terminée à 7 heures. J'ai enfin un vrai ah non, mais entrepreneur du Miracle Morning. Je le faisais avant que t'es mon premier. Tom Machin, Tim Machin. Tim Ferriss. Tim Ferriss, non, avec lui, j'ai rencontré pour le coup. Mais, ah oui, génial. Il est malin, lui, il est très malin. Oui, ouais. C'est... quand il a sorti ce truc, bosser 4 heures par semaine. Oui. C'était c'est... le cinéque de son époque, parce qu'il a une époque, assistante finalement. Qui fait tout le reste. Puis... oui, il est malin. Non, moi je me lève très tôt le matin, de 5 à 7, ce qui fait que parfois ma journée est finie à 7 heures. C'est-à-dire que parfois je suis très content de moi à 7 heures du matin, donc j'ai la banane, tu vois, elle me dit. Après c'est du bonus, je déroule, tranquille. Et puis parfois ça va pas du tout, et là c'est l'enfer, parce que là toute la journée passe de travers. J'ai pas de recette du bonheur, mais sinon je serais milliardaire. Mais qui a la recette du bonheur, Frédéric? Ouais. Moi j'essaie juste de faire ce que j'aime. Voilà. Alors, la preuve que ça intéresse les gens, des parcours comme le tien, et que ça peut être une source d'inspiration, je dis ça pour te. C'est la brosse ouais. à reluire pour que tu sois content d'être vas-y, venu. Vas-y, reluis-moi. Mais en fait, avec toi, ça marche pas, t'as l'habitude de tous ces trucs-là. Mais ouais. Non, je vais faire quelque chose qui est en relation directe avec le bon vieux temps des rencontres inopinées qu'on fait sur le web. Il y a un gars que je connais même pas qui m'a envoyé un petit message il y a 2 jours. Il s'appelle, j'ai même noté son nom, Laurent Vessade. Ouais. Je ne connais pas, jamais rencontré en vrai. Il m'a dit, ouais Fred, c'est sympa ce que tu fais.
J'aime bien les gars qui font du web comme avant, de la vidéo et tout. Et je lui dis, est-ce que tu connais 2020? C'est un des gars que j'apprécie. Je suis authentique. Je lui ai pas dit que j'allais t'interviewer. Ah. J'ai dit, je te conseille 2020, non? Il m'a dit, ah, mais je connais et j'aimerais l'interviewer. Ouais. Alors j'ai dit, bah écoute, il vient demain en studio, donne-moi tes questions. Ah d'accord. Ça, c'est mignon. C'est mignon. Je trouve ça très mignon. Et en plus, voilà. Alors je peux te lire une de ces questions? Laurent, en fait, c'est parce que. Vas-y, il m'a envoyé un message. Ah, tu le connais? Il y a 4 mois pour que c'est une blague. Pour m'interviewer. Mais c'est une blague. Mais je ne le connais pas. J'y ai répondu non parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas. C'était en décembre, janvier. J'étais un peu. Et je lui ai dit non, mais on le fera plus tard. Et tu redébarques avec Laurent. Donc c'est je suis incroyable. Content de répondre. Je t'assure que c'est totalement non prémédité et vraiment spontané. Bon, bah écoute, voilà. Il pose une question que je trouve très sympathique et flatteuse, ouais, d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Sans être flagorneuse néanmoins, parce qu'elle va mettre la barre très haut. C'est un challenge. Ouais, vas-y. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'est une vraie question. T'es prêt? Vas-y. Ok. Comme l'évoquait Hervé Ress, vous avez su vous réinventer plusieurs fois. Mmh. Votre parcours, blogueur, vidéaste, entrepreneur, chroniqueur, présentateur, écrivain, speaker, humoriste, waouh. C'est quand j'ai lu la question que j'ai réalisé quand même qui venait dans mon studio. Mais ouais, tout ça. Bon, montre une liberté peu commune. Quel est votre moteur? Oh putain. On n'est pas loin de la question la question, mais là, comme ça. Ah non, c'est comme ça. Quel est votre moteur? T'es obligé de revenir au why, mais version moteur. Alors, pour être honnête... C'est la mort. Mon c'est à casser l'ambiance. Bah ouais, mais je suis pas là pour mettre l'ambiance. Surtout pour ceux qui suis te connaissent pas, c'est alors la joie quoi. Non. C'est que j'ai tellement peur de regretter de pas avoir fait des trucs que je passe mes journées à y repenser. Bon alors du coup c'est un peu triste mais je n'ai pas envie d'avoir les boules à 64 ans sur un lit en disant j'aurais dû faire ça. Je ne supporte pas l'idée de cette pensée de j'aurais dû. Ah, pourquoi je ne l'ai pas fait? Donc, j'ai une idée, je la fais. Parfois, il me faut 3 ans. J'ai remarqué que j'avais 3 ans entre l'idée et la réalisation de l'idée. C'est un peu un diesel, mais je la fais. Mais je me réinvente tout le temps. Voilà, je ne pourrais pas garder le même job tout le temps, puisqu'il y a un moment, il faut que je fasse un autre truc, que j'ai une idée de pièce. Ah, putain, il faut que je la fasse. Je voulais chanter un jour. Eh ben, je vais chanter. J'aimerais faire un film. Je vais faire un film. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Tu fais tous les mêmes gestes que moi, c'est fait exprès. C'est non, alors oui. Alors, mais... il faut que je t'explique. Ah, d'accord. Quand je suis vraiment en train d'épouser la pensée de l'autre, d'accord. Bah, j'ai un espèce de mimétisme. Et bah, c'est très amusant. Voilà. Et en fait, aussi, c'est la déformation professionnelle, celui qui a plaisir à faire une vidéo. D'accord. Et qui est un peu comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire que le gars bouge, a son quoi. Instrument et tu es en train de l'accompagner dans l'accouchement. Tu fais des arts martiaux. À ma manière, c'est du squash, mais c'est un peu pareil, parce que tu vois... c'est... Ah non, attention, là, c'est le badminton. Non, oui, pardon. Ouais, squash, c'est beaucoup plus viril. Il y a la guerre entre les deux, comme entre Biarritz tout et Saint-Jean-du-Luz. Tout bon, à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que donc, le moteur, Laurent, Frédéric, Hervé, c'est la peur de regretter, de ne pas avoir fait les trucs. Voilà, c'est simple, donc il faut que je les fasse, tous. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, on fait beaucoup de choses, mais on ne pousse pas un truc à fond. Ouais, c'est une sorte de super dilettante. Exactement. Mais dans le bon sens du terme. Super on disait ça de Cocteau non, d'ailleurs, ça va, sans vouloir ça te flatter. Super dilettante, ça Cocteau me va, d'ailleurs va. À son époque s'était fait attaquer par d'autres intellectuels en disant il touche à tout, il fait rien ben voilà. Vraiment. Ben voilà. Alors qu'aujourd'hui c'est quand même c'est Cocteau, le summum de l'inspiration Cocteau. Mais donc du coup ben voilà, ça t'emmène un peu partout, un peu dans tout. Alors je vais te dire, ton sujet m'inspire, me donne envie de rebondir, je le trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on écoute le début de ta réponse, on peut se dire « mais alors c'est un hédoniste, il va faire n'importe quoi, il va courir après les plaisirs ». Et en fait, tu es plutôt un épicurien, c'est-à-dire que tu as des plaisirs élégants, c'est écrire une pièce, etc. C'est... Oui. Bon, et puis tu mets la barre assez haut. Donc c'est intéressant de dire « j'ai peur de regretter et je veux avoir tout vécu », mais tu échappes quand même à un ensemble de clichés, tu mets la barre très haut. Et oui, mais je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. En fait, quand tu dis qu'il faut que ça soit élégant, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que je suis auteur de métier. En fait, mon fil rouge de tout ça, voilà. C'est l'écriture, depuis voilà. Petit, depuis que je suis au berceau, j'écris. J'ai écrit pour l'Internet, la télévision, la radio, le théâtre et tout un tas de choses. Et donc, en tant que scénariste permanent, j'aime bien que les histoires soient jolies, y compris la vie. J'aime bien que la vie soit jolie. Donc, il y ait des rebondissements, qu'on voyage, qu'il y ait des couleurs, qu'il se passe des trucs. Je ne veux pas que ma vie soit un long film français avec un bruit de violoncelle qui te plante et bon. Non, c'est plus un truc qui ressemble à du Tarantino ou des frères Cohen. Tu vois, je veux qu'il y ait de la boule de bowling. Je veux qu'il y ait du cigare. Je veux qu'il y ait du tapis.
Je vais poser une autre question du fameux Laurent qui est décidément sympathique et qui manifestement t'a inspiré. Il dit, je me souviens encore de vos posts, parce que c'est la transition d'hier avec ce que tu viens de dire. Je me souviens encore de vos posts de blog savoureux, drôles, souvent profonds. Nous étions nombreux à être touchés et à commenter, parfois juste pour dire merci. Vos articles étaient souvent basés sur une histoire, ce qui demandait du temps pour vous, auteurs, pour nous, lecteurs, un contexte, une mise en condition. Et alors, ce qui amène à la question assez logique et je trouve très pertinente aujourd'hui, dit comment raconter une histoire maintenant à l'époque des notifications ? Tout s'accélère bien sûr. Alors, tu y arrives encore ou tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose ? Ah non, je crois que. Alors moi, je pense que pour l'éternité, on peut encore raconter des histoires. C'est la base, mais je pense que c'est la base physique, génétique de notre corps, c'est une histoire. On s'arrête immédiatement pour un début d'histoire. Si je te dis, hier j'étais aux toilettes et il y a une guêpe qui est arrivée, j'ai fermé la porte, elle était avec moi dans les toilettes. Tu vois, t'es pris dans le truc, t'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. On est pris dans l'histoire de l'autre, c'est comme ça qu'on crée une relation. C'est du latin d'ailleurs, relatio, ça veut dire histoire, c'est un lien, c'est un lien. Donc c'est le lien entre nous, c'est l'histoire. Donc que ce soit notification, Snapchat, peu importe, il y a plein de façons de raconter les histoires. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les gens ont de moins en moins de patience parce qu'il y a tellement d'histoires au même moment qu'il faut les sélectionner. Donc, il faut émerger au milieu des histoires. Mais... Je voudrais faire un hommage au concept d'influenceur. Non, en fait, je m'en fous du concept d'influenceur. Je pense que toi aussi. T'as peut-être quelque chose à dire sur cette notion d'influenceur qui ça m'a toujours fait marrer, les influenceurs. Un jour, on m'avait demandé ça il y a 10 ans. Quoi. Ça fait quoi d'être un influenceur ? Moi, j'y crois pas. Je crois pas que je sois un influenceur, qu'il y ait des influenceurs. Je pense que des conversations sont influentes et qu'à l'intérieur de ça, chacun fait son chemin. Mais j'y crois pas. À part des trois nanas de la mode, ou j'en sais rien, ou des mecs qui font du sport, qui disent un truc, tout le monde veut faire pareil. Je sais pas. J'en sais rien. Moi, influenceur. Bon, alors ma question était un peu perverse parce que je voulais qu'on fasse un travail d'influence ensemble parce que dans le bon vieux temps des années 2000, là, être un influenceur, c'était dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien et tout, avec un certain niveau d'exigence. Un peu comme quand tout à l'heure, je parlais de liberté numérique. D'accord. Les influenceurs étaient particulièrement actifs sur ce sujet, n'est-ce carrément. Pas Carrément. Tu en faisais partie, d'ailleurs. Non, on va pas relancer le sujet. Je sais pas, vraiment, non, je crois pas, en plus. Alors, on va faire comme à l'époque des influenceurs, on va choisir un truc dans le numérique qui t'énerve et tu vas influencer les autres et dire, voilà, ça... Ou alors, non, pardon, parce que ça, c'est mon côté un peu mais plus... Ouais, mais non, je sais, toi, t'es plus tu positif. Tu as des colères en toi, Frédéric. Donc, oui, non, mais je suis vraiment en colère. Tu parles. Je suis là, vraiment... Là, c'est quoi ta colère ? Vas-y. Ok. J'en ai marre de Facebook. De Facebook ? Ouais, Facebook, WhatsApp, tout ça. J'aimerais qu'un influenceur arrive à désabonner toute la France à Facebook. C'est possible ou pas ? T'es pas un influenceur, toi ? Pas beaucoup, mais à mon échelle modeste. Mais en tout cas, j'ai besoin de toi. Parlons. Pour la partie Facebook. Pourquoi tu en as marre de Facebook ? Ok. Alors, j'en ai marre de Facebook, parce que d'abord, je fais partie des gens qui sont profondément dérangés par Cambridge Analytica et toutes ces conneries-là. J'ai aussi l'impression qu'on est noyé dans cet algorithme, tu vois ce que je veux dire, isonormé, déshumanisé d'une certaine manière, même si pourtant, il y a beaucoup de nous, d'authenticité là-dedans. On nous a privés de quelque chose au passage, et je suis constamment... Je vis, d'ailleurs, les fameuses notifications dont parlait Laurent, comme une agression, comme du parasitage constant. Voilà. Et c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter Facebook ? Ah, moi, j'y suis quasiment plus. Hein. Quasiment plus. Bah, la dernière fois que j'ai regardé des alertes, c'était il y a 3 mois. Hein. J'y vais 3-4 fois par an pour voir si ça m'énerve toujours autant. Qu'il se passe. Et ça m'énerve toujours autant. Et WhatsApp, pareil. Alors, WhatsApp. Pourquoi ? C'est pas bien, WhatsApp, franchement. C'est pas bien. Parce que c'est encore Facebook. Puis donc, t'as un problème contre Facebook. Oui. Parce qu'on est d'abord excessivement observé, influencé aussi. Tu sais que la pub va finir par arriver sur WhatsApp. C'est fatigant. Mais tout ça, non je suis d'accord avec toi, Frédéric. Ce soir, je suis énervé, aide-moi. À la fin de la journée, non, mais tu peux être énervé, il n'y a pas de souci. Il m'arrive d'être énervé contre Facebook. C'est qu'à la fin de la journée, tu peux juste déconnecter. Tu peux arrêter WhatsApp. Tu peux, voilà, mais on ne le fait pas. Donc, c'est notre faute. Moi, je ne le balance pas sur Zuckerberg. Le mec, il fait sa boîte. Il est plutôt successful, il s'entoure des meilleurs. J'ai des potes chez Facebook que j'admire pour leur travail, comme Julien Codorniou ou là, enfin, David Marcus, c'est pas un pote, mais je l'ai rencontré une ou deux fois. C'est un mec super bon qui crée le système de paiement chez Facebook. Ils ont tous des tueurs, c'est un vrai business et tout. Après, je te rejoins que c'est chelou parfois, les algorithmes, tout ça, mais on est libre. On est encore libre. Donc moi, j'arrive pas à me déconnecter de Facebook, mais ça me démange, mais je le fais pas, donc je vais pas aller plaindre. Hein ? On nous emmerde avec Facebook ouais. Mais j'aime bien regarder quand même, les amis. Donc non, à la fin, tu te déconnectes. Tu ne vas pas sur Facebook si tu n'as pas envie de Facebook. C'est assez simple.
T'es énervé parce que j'ai pas fait ta colère. Non, si t'as ça des me colères, va. Il faut les exprimer. Ça me va. Et ça te fait du bien. Je n'aime pas Twitter, par exemple. J'y suis encore. Alors, si voilà, tu veux une colère. C'est marrant parce Twitter que j'aime aussi en parler. Me fait chier. Twitter, c'est vraiment, je sais même pas pourquoi j'y suis encore. Oui, mais pourtant, t'es particulièrement bon sur Twitter et toi, tu l'as vraiment bien utilisé. Au début. Je suis d'accord avec toi. Allez, je m'envoie des fleurs. De 2007 à 2012, ouais. Après, c'est devenu n'importe quoi. Ça se dit n'importe quoi. Et non, mais quand sont arrivés les médias, les entreprises, les politiques et tout, c'est devenu. Là, mais vraiment. Moi, je t'ai aimé sur Twitter. Je t'ai beaucoup aimé sur Twitter. En plus, un jour, tu as retweeté un de mes articles et j'ai eu une explosion de trafic grâce à toi. Ah bah, tu vois, je suis un influenceur. Donc, merci. C'était cool. Non, mais là, c'est devenu maintenant, j'y vais comme si, je sais pas, comme si j'allais prendre un DK dans un café bondé. Tu vois, l'expérience, elle est pas dingue. Et puis, avec plein de mecs beaucoup plus en colère que moi. Avec plein de mecs en colère qui te crient dessus, mais juste un tout petit truc. C'est ça, il y en a partout. Mais pareil. Ça devient drôlatique d'ailleurs à force. Mais j'y suis encore. Tu sais, c'est des vieilles habitudes, comme. Je sais pas, c'est un vieux truc. Moi, parfois, je vais sur Twitter juste pour me marrer, voir la créativité dans les insultes, les gifs animés, tout ça. C'est tellement ridicule au bout d'un moment qu'on se marre, franchement. Quoi. Ah ouais, non, c'est un espèce de concours de vannes méchantes en permanence. Bon, enfin, au bout d'un moment, je finis par rire un peu jaune parce que j'ai mal pour ceux qui se prennent des vannes dans la tête, quel que soit leur bord politique. Non, je vais te dire pourquoi je parlais de tout ça. Il y avait une vraie raison, c'était pas juste le gadget. C'était pour arriver sur ce sujet de l'intelligence collective, qui est pas si bisounours que ça, qu'on fantasme. Je sais pas si tu es un peu comme moi là-dessus. Moi, ça fait des années que j'aime beaucoup cette idée d'intelligence collective parce que je vois en action dans l'espace numérique des espèces de mécanismes de régulation. Et là, pour le coup, avec des bons sentiments, avec des gens qui veulent aider, tout ça, un vrai plus, quoi, un progrès collectif. On dit que les jeunes lisent de moins en moins. Je fais partie de ceux qui disent le contraire. Je pense qu'ils n'ont jamais autant été épistoliers dans l'écriture. Et au moins, tant pis, s'il y a parfois du langage SMS et trop de smiley, au moins c'est créatif. Bon. Et je veux savoir, toi, quelle est ta relation à l'intelligence collective? Ça fait partie de tes aspirations, des idées que tu propages. Et notamment, là, on reboucle un peu avec LinkedIn et ton nouvel écosystème. Là, on va un peu parler aux gens, les professionnels qui peuvent acheter tes conférences, etc. Est-ce que ça fait partie, donc, des sujet fort de 2020 aujourd'hui. L'intelligence collective. Oui. C'est un des sujets que j'aime bien et sur lequel, là encore, je ne suis pas encore totalement sûr de moi. Et je m'explique. Étant créatif de métier, plutôt auteur, je sais, j'ai vu et j'ai observé chez moi, mais chez plein d'autres, l'importance de la création individuelle. C'est parfois des individus qui changent les choses, qui t'émeuvent et qui disent un truc. Donc ça, c'est le sujet que j'aime bien, que je connais bien. Et puis j'ai vu par moment, pas tout le temps, le pouvoir du groupe, mais par moment seulement. Et dans ces moments-là, je me dis, putain, tu devrais travailler plus souvent avec les gens. Donc j'ai fait ça, quand on a fait Sismic, il y avait une super équipe, mon agence de com aussi, on faisait des super brainstorming. Donc Sismic étant, je le dis, alors vas-y, caméra de connivence. Sismic est une start-up à San Francisco où j'ai accompagné Loïc Lemeur pendant 2 ans avant que tout s'effondre. voilà. Pas que de notre faute, hein, c'était la guerre. Non, en fait j'adore travailler avec les groupes, mais pas longtemps. Au bout d'un moment, l'humain me chauffe un peu. Et de manière générale, moi, mais les autres, au bout de... Quand on devient trop longtemps dans le même groupe, ça crée une entreprise et on n'est plus dans l'intelligence collective. On travaille ensemble à faire les cons ensemble et puis on se tape dessus. Donc sur des projets courts, ouais. Ah, c'est intense. Attends, oulala, rewind. Tu vas te faire engueuler pour avoir dit ça. Pourquoi? Vision un petit peu pessimiste de l'entreprise Ah non, mais c'est juste la mienne. Moi, je dis ma vision des choses. D'accord, je suis tout seul, moi. Je suis fils unique et indépendant. L'entreprise, rapidement, en fait, c'est de l'intelligence collective permanente. Du coup, c'est de l'intelligence collective qui s'étiole. Ah oui, qui se calcifie dans ses process. C'est un peu ça. C'est aussi. Ça. Au bout d'un moment, on s'emmerde. Quoi. On ne crée plus, on n'a plus envie de venir. Donc, l'intelligence collective dans l'entreprise n'est pas forcément synonyme de créativité pour toi. À un moment donné, non, ça, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il faut la réactiver régulièrement par des projets courts, avec des changements de groupe, changements d'équipe. Il faut faire sortir les gens de leur truc. Et encore, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai vu à chaque fois que ça durait trop longtemps dans le temps que l'humain finissait comme dans Love Story. Quoi. Tu mets Love Story ou tous ces trucs de télé-réalité. Oui, au début, c'est génial, les deux premiers jours et tout, les 4, 5, 6. Puis après, c'est l'ère de la borie, quoi. Tout le monde se met sur la gueule. Donc l'intelligence collective, elle est capable de donner vraiment de la bouse.
Et là, je rejoins là-dessus Julia de Funès sur sa vision de certains brainstorming où c'est pas parce que tu mets des papiers, des post-it et que tu fais tourner les gens autour de la table qu'il se passe des trucs. Elle va encore te tomber dessus là. Non. Tu redis elle encore le la dit même chose. Ça. Tu la cherches en fait. Je la cherche pas. Elle a raison sur certains aspects. Mais il y a des brainstorming auxquels j'ai participé qui ont changé ma vie où tout d'un coup des idées parce que tu rebondis, parce que tu es avec les bonnes personnes et que ce que tu n'aurais jamais pu le trouver seul. Donc moi je dis que c'est pas la panacée, mais qu'il y a des choses à faire en le faisant renouveler. Bon, j'en sais rien, je suis pas un spécialiste non plus, Frédéric. Tu vois, je suis sûr de rien. Tu vois, c'est un mélange de humain et de créativité, donc ouais, c'est toujours un peu compliqué. Mais moi, je suis revenu vers toi, si je puis dire, par le truchement de LinkedIn et de cette intention que tu sembles nourrir d'adresser cette communauté qui mais est j'aime un bien. Peu plus... Voilà. Mais j'aime bien l'univers de l'entreprise. Donc, mais c'est pour ça que je veux te faire parler d'intelligence collective. Voilà. Mais moi, je fais pas ça pour l'intelligence collective, mes vidéos sur LinkedIn. D'abord, moi, je fais ça pour me marrer. Ensuite, parce que s'il en ressort quelque chose, c'est cool. Mais moi, c'est en pure surprise. En fait, là, je suis en pure surprise. Ouais. Je n'ai pas d'objectif. Et même pas coup... de bousculer un peu les lignes. Non, mais non. De mais faire entendre tu... une... Non, veux, tu je pas, quelle... pas trop de préméditation. Non, non, non. Tu vas naturellement. Non, 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 je n'ai pas... Alors là, vraiment, je ne bouscule rien, moi. Juste moi. Je me bouscule, moi, pour me faire marrer. Je me bouscule parce que c'est flippant, un peu, d'allumer son truc et de s'exposer sur LinkedIn. Bon, tu mais tu as fait plein de conférences en entreprise. Ouais, ça, qu'est-ce que les... Parce que moi aussi, je fais des conférences en entreprise, je trouve ça horrible que je vis. Parfois d'être dépossédé de mes intentions, de mon ressenti spontané, instinctif, ce que j'aimerais apporter dans cette entreprise, quand je la sens, par la personne qui me donne le brief et qui me dit « Bon, là, vous me les motivez, ou on fait un kick-off, alors vous allez parler après l'autre speaker, un gars international d'un niveau intimidant, mais vous allez mettre la couche, machin, enfin voilà le parcours éditorial. » T'arrives à garder ton indépendance d'esprit, ta créativité face à ces entreprises qui te demandent d'intervenir. Ouais. Mais ça, c'est des années de travail de savoir imposer juste ce que tu veux. En fait, mais je travaille là-dessus. Hein. C'est plus, là, c'est philosophique. Je travaille sur la vérité. Ouais. Quand tu sais vraiment ce que tu veux et ce à quoi tu es prêt à dire oui ou non, il n'y a pas de problème avec les entreprises, avec les gens. J'ai pas de problème. Si on me dit, oui, il y a une répétition la veille, mais que c'était pas prévu, j'ai plutôt autre chose à faire, ou même j'ai pas envie de la faire, il m'est arrivé de dire non. Non, je peux pas, j'ai pas envie. Ça, il faudra faire ça dans le brief, mais on voudrait plutôt que vous disiez ça. Non, moi, je dirais pas ça. Si ça pose un problème, je fais pas la conférence. Non, mais vraiment. Et ça t'est arrivé ? Et ça m'est arrivé. Refuser des conférences ? Non, ça m'est arrivé d'annuler. D'annuler. Parce qu'on me demandait soudainement de me. Je devenais un perroquet de la volonté de je sais pas qui voulait faire passer des messages corporate et tout. Non. Après, faire en très temps, attention. Payé. Il t'a payé. Non. Fais ce qu'on te dit. Non, non, non. Mais non, c'est pas comme ça que je fais, moi. Moi, je prends le brief et j'entends exactement ce qu'ils veulent. Et après, je propose. Mais une fois que je propose, tu viens pas me dire « Alors nous, on voudrait rajouter ça, on voudrait cette phrase. » Non, no way, no way. Bouge pas, me parle pas, c'est fini. Bon. Mais je prends le brief et les mecs sont super contents. Hein. J'ai pas eu de plainte. Hein. Ça, c'est une bouffée d'air frais. Parce que je sais pas si t'as remarqué sur LinkedIn, tous les consultants indépendants sont speakers professionnels depuis peu. Ouais. Tous. Mais bon, et j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'en suis ravi. D'accord. Simplement, c'est tellement dur de maintenir sa vérité, de maintenir cette quête de vérité. Mais pas que chez les speakers, dans la vie en général. Bien tout sûr, le monde, mais c'est hyper dur. Disons que le speaker, c'est la quintessence, l'illustration absolue du gars qui arrive avec son indépendance et que l'on a tendance à déposséder de son élan initial. Parce qu'on part du principe qu'on l'a payé pour ça et que même si son show est plutôt bien rodé, il va falloir qu'il l'adapte pour faire plaisir au message corporate. Mais là, on est dans un cas typique qui intéresse, je pense, l'audience qu'on commence, toi et moi, à développer, à cibler, notamment sur LinkedIn, n'est-ce pas, cher ami? Parce que je pense que s'il y en a qui écoutent cette interview jusque-là, notamment, d'ailleurs, je les remercie. Merci les gars de tenir le choc. Ouais. Merci vous cinq. Je sais qu'ils sont en quête. Non, mais c'est ça, ils sont à peu près 5 ou 6 d'habitude. En même temps. Non, quand même pas, faut pas pousser, pas simultanément. Ils sont en quête. Non, ils sont vraiment en quête d'inspiration sur ce sujet-là. Et moi, ça fait partie de mes dadas. C'est-à-dire que tout à l'heure, on évoquait Simon Sinek et ce rétro-engineering du why qui est parfois une vue de l'esprit. Hein, d'accord ? Parce qu'après coup, on dit le why, c'est ça, machin. En fait, le why, c'est effectivement un truc tellement plus profond qu'on ne peut pas forcément aisément l'exprimer. Et quand on est pris dans le piège des réalités prosaïques du quotidien, l'interaction avec les entreprises qui nous envoient des chèques et tout, et auxquelles on est censé obéir, on peut se perdre en cours de route. Pourtant, à l'échelle de n'importe quelle communauté, quelle qu'elle soit, alors notamment LinkedIn, comme plein d'autres, tout le monde aspire à l'authenticité.
Et en cours de route, on a beau essayer d'être sincère, on se perd facilement. Ça dépend ce que tu vends. Moi, l'avantage, parce que là, je fais le malin, mais l'avantage, c'est que je vends des conférences décalées. J'ai le mot décalé. Ça veut dire que je fais ce que je veux. C'est de l'humour. Il y a de l'humour. Quand je parle d'intelligence artificielle ou les transformations du digital ou d'intelligence, je sais pas quoi, il y a de la vanne derrière. Et donc, les gens, ils ne viennent pas me corrompre, ils ne vont pas changer ma vanne. Tu vois, j'ai une liberté que peut-être tu as moins toi ou d'autres ont moins quand ils ont des sujets plus techniques. Ah non, je viens de noter ton idée, ça y est, je vais la prendre. C'est laquelle ? Je vais faire conférencier décalé, comme ça on va pas m'emmerder. Mais t'as intérêt à décaler par contre. Ouais, vraiment décalé. Si t'es pas décalé, t'es décalé dehors, hein, parce que... Il est drôle, lui, non ? Non, il est pas drôle. Ah bon ? On l'a payé quand même, ouais. D'accord. Non, je vais peut-être essayer un autre mot, peut-être des conférences subversives. Non, là, je vais avoir des ennuis. T'as intérêt à être subversif ? Non, alors, déjà, quand on est subversif, on le dit pas. On est subversif. Absolument. Prends les gens par surprise dans la subversion. Il y a des gens, il y a plein de conférenciers que je connais qui personne leur dit rien. Tu dis rien à Laurent Alexandre, tu dis rien à Julia de Funès, tu dis rien à Joël de René, tu dis rien à Gilles Babinet, ils font leur conférence. Ouais. Donc, il y a aussi un niveau, à un moment, ton niveau. En plus, tu les as vus débattre ou pas ? Ouais. Parce que quand ils débattent, vraiment, pas on a du mal à... que j'ai dit, mais oui, c'est arrivé par terre. Non, mais au sens où on a vraiment du mal à en placer une. Bah ouais, c'est leur métier d'en placer une, hein. Puis ils la placent bien. Hein. Ouais, donc, eux, il n'y a pas un client qui leur dit « vous ne me dites pas ça ». Donc, en fait, c'est le niveau de ta conférence, de l'entreprise dans laquelle tu vas, du montant du cachet. Bon, alors, on a compris. Toi, tu as travaillé là-dessus, tu sais y faire, et personne n'a de doute là-dessus. Mais bon, quand même, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour ceux qui aspirent à retrouver cette parole vraie, qu'ils soient speakers ou pas? Non, ma question est un peu bateau. Mais si, on va quand même essayer. Une parole vraie? Ouais. Le but de faire une vidéo comme ça, avec un gars comme toi, c'est de retirer des petits takeaways, comme disent les Américains. Les takeaways. Des sources d'inspiration, voilà. Énergétique, quoi. Le truc, tiens, tu parlais de Tony Robbins. Tony Robbins, moi j'ai regardé I Am Not Your Guru. Ouais. Il y a, comme tout le monde, des petites choses qui m'ont semblé un peu... À 8000 balles la semaine. Voilà, il y avait des grosses... I'm not guru, mais je prends un chèque de 8000 quand même. Hein. Voilà. Et puis, il y avait des grosses ficelles, mais il y avait un truc qui m'a plu, pour ceux qui connaissent Tony Robbins, c'est sa théorie, qui est qu'on peut déclencher une prise de conscience qui est une fulgurance, on pourrait appeler ça une fulgurance, qui fait que, voilà, en une seconde, on décide de tout changer. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais j'aime ça, bien cette idée. Je l'ai constaté, on va dire, dans les 3-4 dernières années, à chaque fois que je me mettais en marche sur une idée, mais de façon certaine, c'est-à-dire que, mais putain, c'est évident, réellement, ça fait qu'on met, dans la journée, il se passait un truc, dans la journée. Je ne suis pas du tout mystique, religieux, ni rien, mais il y a un truc assez incroyable. Mais tu crois aux lois de l'attraction? Bah, un petit peu, alors pourtant, The Secret et tout, j'en ai bien rigolé, mais... The Secret, tu sais que c'est la version galvaudée du vrai père des lois de l'attraction qui est... Newton. Charles. Charles Ingalls. Non, en fait, c'est Charles Hanel. Charles Hanel. Et quand tu as lu ça s'appelle le système clé universel, tu réalises que c'est ça le berceau de la culture du développement personnel américain. Bah écoute, je dois être dedans, je dois être le fruit de ça, mais... Tout à fait. Je l'ai constaté ces dernières années... Quand tu te poses 5 minutes, alors je sais pas, quand tu parlais du bonheur, moi je me retire souvent 4-5 jours, mais vraiment, parfois même dans les abbayes, alors je suis pas vraiment croyant, mais chez les moines, tu vois, il y a du silence, juste se retrouver, faire silence et dire qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, pas qui je suis, tu vois, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et à partir du moment où je me mets en place là-dessus, mais je sais pas, tout s'organise, quand ça ne s'organise pas, j'arrête, parce que je suis pas complètement neuneux. Mais ça m'arrive encore assez récemment. J'ai une lubie, mais je dirais pas laquelle. Non, je dirais pas laquelle. Si, si, dis-la et non, allez. Non, je dirais pas. Non, à la Et tu vois, j'ai envoyé un mail à quelqu'un. C'est vrai, tu le diras pas ? Non, je dirais pas. Même si j'insiste ? Même si t'insistes. Même si je pourris cette interview jusqu'au bout. J'ai envoyé un mail à... Non, parce que je réfléchis sur le sujet. Mais maintenant, tu nous as donné envie. On a envie de savoir ce que... Écoute la fin et je te verrai. J'ai envoyé un mail à un gars qui fait un truc que j'aimerais bien faire aussi. Mais je pense que mon mail, il n'est pas prêt. Ou moi, je ne suis pas prêt, ou c'est pas prêt dans le tempo de la vie. Et donc, le gars m'a plus ou moins répondu, pas vraiment, tu vois. Il m'a répondu, ouais, mais on va pas se voir tout de suite. Ah, d'accord, j'ai relancé. J'arrête. Je sens que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que l'idée que j'ai eue, elle monte, mais elle n'est pas prête. Et donc, je pense que si elle était au bon moment, le mec m'aurait dit, mais carrément, voyons-nous maintenant. Là, donc moi maintenant, à mon âge, on n'insiste pas, on la laisse reposer. Et je sais que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, cette idée-là, elle va revenir. Et elle va être déchirée sa mère. Tu vois, dis donc, tu es en train de parler des excès de vitesse de l'intelligence ou de la pensée. On appelle ça l'intuition. Ah, j'en sais rien. Tu travailles avec l'intuition. Je ne sais pas si l'intuition est un excès de vitesse de la pensée. Je croyais que c'était plutôt la somme de nos expériences, l'intuition. Oui, mais
cette somme étant synthétisée à la vitesse de la lumière. Ouais. Bah, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Ben oui, parce que si une intuition que tu as une fraction de seconde t'amène à prendre une décision qui est influencée par l'accumulation de qui tu es, ton cheminement, etc., de toutes ces expériences, c'est bien parce qu'à un moment donné, ton cerveau n'est même pas capable de formuler d'où ça vient et pourtant il fait une synthèse à la vitesse de la lumière. Ouais. Bah écoute, c'est ça. Je sais pas. Tiens, j'ai peut-être un truc, un takeaway pour toi qui va t'intéresser. Que nous apprend la neuroscience. Un cheeseburger. Pendant qu'on discute, notre réseau neuronal conscient est en équivalent informatique est capable de processer environ, en équivalent informatique, 2000 bits d'information à la minute. C'est beaucoup. Et d'après toi, le reste de notre système, donc subconscient, inconscient, là-bas dans les lointaines zones marécageuses de mon subconscient, ainsi que le système limbique, ça processe en équivalent informatique combien à la minute ? Dis au hasard. T'as envie de dire aller au moins 10 fois plus et ouais, 10 fois plus. Merci, parce que normalement tout le monde se plante et moi je fais le malin derrière. Mais en fait, c'est 400 milliards de bits. 400 milliards de bits. Voilà. On est de la bonne Brigitte là. Donc tu vois, en fait, mon point, c'est que ce dont on parle là, qui est l'intuition. Attends, je reprends. 3, 2, 1. C'est Brigitte Lahaye qui t'a. Oui, non, puis surtout, j'ai eu un petit rire coincé, genre. Voilà, donc 3, 2, 1. Ah, mais comment rebondir sur cette blague? Ouais, c'est ça. On la coupe, on la met pas. On la coupe. Ok. 300 milliards de bits, t'as dit? Non, non, combien t'as dit de bits? Non, j'ai dit. 3 milliards. Attends. J'ai dit 400 milliards de... Oh putain, il me crache dessus, bah ça attends, y est. Pardon. Il m'a craché voilà, dessus. C'est parce que... Je lui parle de Brigitte là, il me crache dessus. Oh là là, putain, on est raccord. Ah, on est raccord. Tu ok, vois, non, cette histoire de 400 milliards de bits, c'est vrai. D'accord. Tu vois, par exemple, il y a un gars qui est un spécialiste de la neuroscience aux États-Unis, qui est le gars qui a le premier, au début des années 2010, formalisé le rôle des neurones miroirs, des neurones empathiques. Il est très connu, il s'appelle Paul Zak. Les gens qui regardent tes vidéos, ils comprennent ce que tu dis ou pas? Oui, mais tu vois, attends, d'accord. j'y viens. Après, okay. Ça devient simple. Donc, Paul Zak, c'est celui qui a travaillé sur les neurones empathiques. Ok, tout le monde me suit? Tu me suis aussi? Voilà. Okay, ouais, Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est vraiment une sommité. Mm-hmm. Dans le domaine de la neuroscience. Il a créé un institut de neurosciences, etc. Et quand il branche, si tu veux, sur le cerveau des gens pour analyser leurs réactions à des messages, par exemple, d'accord, il utilise des espèces de casques à résonance magnétique, tu vois, il fait ce qu'on appelle des brain scans, tout ça. Et puis, il y a aussi... Enfin, les gens sont aussi branchés avec des tuyaux, d'accord. Et puis, on regarde ce qui se passe dans la biochimie du sang qui est pour regarder en fait ce qui se passe d'un point de vue neurotransmetteur, d'accord, tu me suis? Bon, quand ce gars-là stocke de l'info, il va falloir finir l'histoire. Alors quand ce gars-là quand ce gars-là stocke, je sais pas si tu gardes quand on te vanne ou pas, tu gardes quand on te vanne ou pas? Si je garde, ou tu coupes? Ah non, là je veux bien garder. Tu gardes des vannes? Non, non, mais c'est en fait comme je suis obsessionnellement orienté sur mon raisonnement, j'ai du mal à... Ah ouais, il faut rebondir. D'autant que là j'ai t'en perdu étais où là? Voilà, j'en étais où? Voilà, tu m'as eu. Non, si, tu m'as pas eu. Paul Parce Zak, que Paul, voilà, Zak. Paul Zak démontre, en fait, si tu veux, le fonctionnement des neurotransmetteurs et tout, et apprend plein de choses sur nous. Mmh. Mais il est déjà dans l'ère de la big data. C'est-à-dire que quand il stocke les informations, il stocke de l'ordre de 1 terabyte d'informations par cobaye à la minute. Et après, il analyse ça sur plusieurs minutes. Donc, ça, c'est toutes les variations de la neurobiochimie, etc. Donc, pour revenir simplement au sujet de l'intuition, en gros, ce qui se passe en nous nous échappe quasi totalement. Et quand tu D'accord. as une intuition et un truc qui émerge comme ça et qui te semble évident, mais tu ne sais pas expliquer pourquoi, c'est parce qu'en fait, en effet, la pensée a beaucoup de mal à revenir en mode analytique, si tu veux, pour décortiquer tout ce qui se passe en nous, quoi. Ok. Voilà, donc plus on avance dans le temps, plus on accumule d'expérience et plus ça définit qui on est sans qu'on sache bien expliquer pourquoi. Tu comprends maintenant pourquoi le why de Sinek s'est dépassé? Parce que c'est très difficile à analyser après. Ouais, mais au moins je le pige. Et moi, j'aime bien le why de Sinek. Tu sais, moi, j'aime bien les mecs qui simplifient la complexité. C'est vrai que ça, c'est un coup de génie. Mais pour non, ce, mais pour cette raison, quoi, je suis entièrement d'accord. Quoi, pourquoi tu fais les choses? En fait, il dessine juste la question essentielle de nos vies. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu fais cette émission? Je sais pas, pour le plaisir d'improviser avec toi. Bah voilà, why? Voilà. T'improvises, alors, mais tu regardes tes notes pendant que je te parle. Il y a quand même des trucs, que des mots-clés que je peux oublier. Tu vas garder le conseil que je te donne. Mais justement, il y a un mot quand que j'avais noté. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu regardes dans les yeux, tu écoutes sa réponse jusqu'au bout et tu lui réponds dans les yeux. Si toi, tu regardes tes trucs, mais je le regarde 10% du temps. Je vois ton crâne. Je vois ton crâne. Je n'étais pas censé le dire, j'étais off à l'image quand je regardais mes notes. Ah oui, non, pardon, non, regarde pas ses notes. Il regarde pas ses notes. Voilà, plus sérieusement, il y a un mot que j'ai noté pour pas oublier. Ah. C'est lié à ta capacité d'improvisation, justement. Oui. Et oui, parce que la capacité d'improvisation, ça aussi, c'est fascinant pour le commun des mortels. Toi, tu fais quand même des spectacles qui sont généralement semi-improvisés, quand même. T'as un canevas, mais tu improvises alors, un peu avec ton public. Alors, je suis encore désolé, je vais devoir dire non. Les spectacles sont très écrits. Ah, d'accord. Eh ben, on n'aurait pas dit comme ça. Il y a 5% d'impro.
les spectacles, hein, au théâtre, j'entends, pas forcément les confs, mais en revanche, je fais de l'impro à côté, des cours d'impro, du théâtre d'improvisation. Alors, pas cette année, mais encore l'année dernière, je faisais de l'impro. J'en ai fait 5 ans, il y a 20 ans, et c'est l'impro qui a changé ma vie, vraiment. Ah, voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as découvert dans l'improvisation ? J'ai découvert que les choses se passaient beaucoup mieux quand on acceptait l'univers de l'autre. Et c'est la base du théâtre d'improvisation. Puisqu'on fait venir deux personnes qui sont coachées par deux coachs en 20 secondes, et il y en a un, on lui dit « toi, tu seras un militaire de l'armée américaine, toi, tu seras une femme enceinte », les deux arrivent. Si chacun reste avec son personnage en disant « moi, je veux imposer mon colonel et moi, je suis une femme enceinte », il ne se passe rien, l'histoire n'avance pas, le public se fait chier. Si tout d'un coup, tu acceptes de laisser un petit peu de ta superbe pour dire « madame, je vais vous aider, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, tout d'un coup, il se passe une histoire. Et j'ai appris donc en acceptant l'univers de l'autre, après dans l'entreprise, dans ma vie, quand quelqu'un m'agresse, je prends, je dis oui, ok, ok, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de problème, raconte-moi, je ne suis pas en conflit. Dis-moi, si, puisqu'on a un peu parlé de tout, si on parlait maintenant de l'avenir, mm-hmm. Tu as des enfants, oui. Tu as deux enfants je crois, tout à fait. Qu'est-ce qui te fait peur pour l'avenir de tes enfants? À l'échelle de ce que tu vois là, tu fais partie des optimistes raisonnables. Ce qui me fait peur, c'est l'environnement. Ouais. Voilà. J'ai vraiment pas envie qu'on s'asphyxie. Il y a un sujet qui me passionne, c'est le plastique dans les océans. Je sais pas pourquoi ça me rend malade. Et je suis pas le seul. Et voilà. Ce qui me fait peur pour eux, c'est ça. Je pense qu'on va pas se tuer tous, entretuer tout de suite, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, mais j'ai un peu peur de l'atmosphère. Ça et donc, nourrit ton travail d'auteur aussi, ça ? Ça nourrit mon urgence. Ça nourrit mon urgence dans la peur de regretter la mort et tout ça. Ouais. Si effectivement en 2030, il y a plus 14 degrés que tout le monde s'entretue pour survivre, il va falloir se dépêcher de s'amuser. Tu penses que les mecs comme toi et moi qui avons dépassé un certain âge, on va pas dire lequel, mais est-ce que on va dans les années à venir devoir un peu orienter autrement notre ligne éditoriale pour participer à ce flot là de vidéos, notamment un peu alarmiste, catastrophiste, voire Ah non, moi je fais pas bon. Ça. Ah, tu veux si tu veux mais, toi, hein, moi je m'oriente ouais, pas pour me est-ce mettre que tu dans penses le pas qu'on va être obligé d'y venir? Non, non, non. Mais si, enfin, non, mais il y en a plein qui le font, hein, des vidéos alarmistes, écologistes, sincères, bien, même ma boîte de prod, parce que je suis associé dans une boîte de prod qui s'appelle DataGueule, Story Circus, qui produit DataGueule, qui est un programme du web où on parle beaucoup de ça. Non, moi je ne fais pas, je ne vais pas rajouter de l'alarme, en tout cas. Je ne sais pas faire ça, en fait, je n'ai pas envie d'alarmer plus, juste pousser les gens à s'amuser plus vite, parce que ça... On ne sait pas ce que demain nous réserve. Ouais. Alors ça, c'est une petite séquence traquenard. Ah bon, je croyais que c'était que ça, moi, une séance traquenard. Voilà, non, tout pardon. Était une séance traquenard, maintenant ça devient plus grave. Maintenant c'est officiel. Non, c'est, le sens, c'est au sens où, ayant vu ce petit setup, la possibilité de faire des vidéos que moi je vais principalement diffuser sur LinkedIn, mm-hmm. Tu débarques sur LinkedIn, tu es en train de commencer à te faire connaître. J'y étais en 2007, oui, débarque mais en vidéo. Tu débarques en vidéo. Oui, mais ça change tout. Voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu 2020 qui débarque, plus que Cédric de l'Astérie, tu dirais. Bah, surtout que moi, c'est Cyril de l'Astérie. J'ai dit quoi ? Cédric. Ah, j'ai cru. Donc, c'est carrément plus 2020 que Cédric. J'étais convaincu d'avoir dit Cyril. Non, mais t'es pas le seul, c'est pas grave. Ça, c'est drôle. Tu laisses ça. Je garde. C'est 2020. Franchement, je me suis Cyril. Entendu dire. Moi, je sais pas qui débarque. En fait, je sais plus tellement qui est de 2020, Cyril. Mais c'est pas très intéressant. J'y vais. Je fais ma gueule de con. Alors, si et après, c'est on verra. Intéressant. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que 2020 te permet de dire des choses que Cédric Cyril ne peut Cyril, pas dire. Cyril. avant, ouais. Maintenant, non. Parce que maintenant, même 2020 disparaît progressivement de tout. Et parfois, je vais dans des conférences où les gens savent pas que je m'appelle 2020 en pseudo sur Internet. Il va arriver un gars qui s'appelle Cyril. Au sens où tu t'assagis ou tu gagnes en cohérence ? Je gagne en cohérence. Et alors, en fait, je voudrais réunir. En liberté, 20, finalement. 2020 et Cyril de l'Astérie sont en train de se réunir après 15 ans de pseudo. Je ne sais pas à quel rythme et je ne sais pas quand, parce que je pense que ma prochaine pièce, ça sera encore 2020, mais je me demande. Alors, je vais au bout de mon traquenard. Vas-y. Ayant vu ce petit setup et étant dans cette dynamique consistant donc à diffuser les vidéos de 2020 Cédric Cyril sur LinkedIn. Arrête avec ce Cédric Michel. Sinon, je t'appelle bon. Michel. Michel, c'est pas mal. Ouais, ça c'est fait... bon, j'aime bien Michel. Quelque part, tu m'annonces ma longévité. Ça fait un peu Michel Drucker, je serai encore là dans 40 ans à faire ouais, des vidéos. Michel Serre. Hein. Ah, c'est vrai aussi. Vas-y. Ouais, c'est vrai. Alors, Michel Platini, en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait. La séquence traquenard amical qui n'en est pas un. C'est si tu avais une idée, toi qui as fait beaucoup d'émissions et qui a beaucoup d'idées, souvent dans l'impro, qu'est-ce que tu aimerais. Attends, je reprends. 3, 2, 1.
quelle pourrait être une bonne... Te fous pas de ma gueule. Je me suis chié dessus. C'est 3, ça le sujet. 2, 1, te fous pas de ma gueule. Qu'est-ce qui pourrait être une bonne idée de contenu vidéo pour le web et notamment pour les professionnels donc, que tu attaques maintenant sur LinkedIn? Mais j'attaque personne. Quel bon concept on pourrait donc développer ensemble? Ensemble? Ouais, pourquoi pas. Voilà. C'est pour ça que c'est un traquenard d'ailleurs. C'est pour ça que tu vas regretter ce que tu vas dire. Bon, après, si t'es pas sympa et que tu dis non, mais t'es vraiment une merde et j'ai pas aimé cette interview. Non, je dis pas ça. Mais pas on pourra pas le faire. Ensemble, ça va être chaud en fait. Enfin, ensemble, ça peut être toi, ensemble, je veux dire. Non. Ça, je peux ne pas être là. Le truc, c'est que... Alors, attends, comment... Tu préfères l'amateurisme smartphone plus sympa, plus facile? Non. Si tu avais un studio dédié comme ça, et que tu allais un petit peu plus loin dans le peaufinage des programmes, est-ce que ça te donnerait envie d'aller plus loin? En fait, Frédéric, dis-moi. Je vais te dire la vérité. Aïe. Moi, je vais me dire la vérité. Parce que je travaille sur la vérité. Donc, je vais te dire la vérité comme elle arrive. Moi, avant de m'engager dans un projet professionnel avec quelqu'un, il faut que je le connaisse. Voilà, donc tu refuses le traquenard totalement. Je suis déçu. Je refuse le traquenard, mais en masse depuis que je suis grand comme ça. Non, ça ne veut pas dire... C'était plus pour savoir si ça te donnait une idée. Non, écoute-moi bien. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne refuse pas la discussion. Je ne refuse pas d'aller boire un coup avec toi pour justement apprendre à nous connaître, comprendre ce qu'il y a dans ta tête, tu vois. Quels sont tes travers? Quels sont tes secrets? Ah là, je suis mal. Mais c'est là où on va commencer à rigoler. C'est quand vrai. Je saurai qui est derrière cet homme un petit peu brutal qui est là, qui est là avec ses cheveux. Skinhead, c'est ça. Je te fais peur un peu quand même. Tu sais pas ce qu'il y a derrière toi, tu vois. Je vois l'endroit est sympathique. Moi, tu me donnes envie de faire des choses. Mais je te connais pas. Ah. Voilà. Je te donne quand même une petite. Connaissons-nous. Apprenons à nous connaître. Bon, ok, donc... Donc les gens vont dire, il est chiant celui-là. Je voulais vraiment avoir une idée. C'est pas parce qu'il y a 5 caméras qu'on va faire un concept qui tue, tu vois. Non, la vérité, c'est que j'avais espoir qu'une idée surgisse. Comme mais si ça. J'avais une idée qui surgit, je la garde pour moi, puis je la vends. On mais est sur LinkedIn, ça, voilà. Hein. Voilà. Bah oui, mais j'avais envie de t'en déposséder ou la mettre tout de suite en open source. Mais non. Ok. T'es pas déçu? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça fait quand même un peu réfléchir. Ah bon? Bah, en gros, c'était une question de merde. Non, c'est pas une question de merde, mais... Enfin, bref. Qu'est-ce qui se passe? Séquence un peu rituelle. D'accord. Ça, c'est pas du tout un traquenard. Je demande parfois à certains de mes invités de dire un truc sympa en parlant d'une ou plusieurs autres personnes. Ah. Alors, généralement, dans mon univers qui est un peu, on va dire, plutôt professionnel, je leur demande s'ils auraient, s'ils ressentiraient un certain plaisir à... vanter les mérites d'une personne dont le profil leur a beaucoup plu, tu vois, une sorte de déclaration d'amour professionnel. D'accord. Je recommande telle personne, etc. Alors, on le fait souvent sur LinkedIn, tu sais, c'est les endorsements, on fait une super recommandation. Mais si tu as envie de dire du bien de quelqu'un, à qui ça fera plaisir, mais qui le mérite, surtout, à tes yeux, quelqu'un avec qui tu aurais récemment collaboré, etc., quelqu'un dont tu veux dire du bien, voilà. J'aimerais instituer, et de manière beaucoup plus systématique, ce joli rituel. Faire un hommage à une personne ou deux, même 5 personnes si tu veux, peu importe. Hein. Des gens que tu aimes bien. Une ou plusieurs personnes que tu aimes bien et qui le méritent. Ils méritent qu'on reconnaisse notamment leur talent, peut-être leur talent. Alors c'est bien aussi quand on choisit des gens qui ne sont pas forcément super visibles. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, entre nous, ça peut même me donner une piste d'invitation pour la prochaine interview. Quelqu'un qui mériterait que sa vision du monde soit connue. Alors moi, je voudrais donner un coup de chapeau à mon ami Hervé Ress, dont tu as parlé dans le mot de Laurent Vessade, qui cite Hervé Ress. Mais tu ne sais pas qui est Hervé Ress. Et je suis impatient. Je vais te dire qui est Hervé Ress. Hervé Ress est mon premier ami de l'Internet. J'ai laissé sur son blog le premier commentaire en 2004. Je ne connaissais pas. Il écrivait un blog qui était très, très drôle. Il s'appelait Respire ou Respect ou je ne sais plus. Et on a pris une bière, tu vois, la bière dont je te parle. Au début, on était deux blogueurs. Et de bière en bière, on est devenus potes, mais vraiment super potes. Ce type a une écriture incroyable, une culture musicale de dingue, une humanité exceptionnelle. On se voit tous les 3 mois pour prendre un verre depuis, tu vois. Et c'est un vrai ami. Il accompagne les entreprises dans leur communication, dans aussi le règlement des conflits. Il a 10 ans de plus que moi. C'est un bon vivant. Et c'est un mec en or, Hervé Ress, qui est sur Facebook, sur LinkedIn, qui
qui a malheureusement fermé son blog il y a 5 ans, mais pourtant c'était vraiment un des meilleurs blogs de la planète. Alors comme tu m'as un peu taquiné tout au long de cette interview, ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. Mais il y a une ultime question, je donne le bâton pour me faire battre en fin d'interview, je dis, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et comme un con j'ai oublié de te la poser? C'est le moment où tu vas me dire, t'aurais dû me poser telle ou telle question. Non, c'est bon, j'ai bien fait mon boulot. Mais non, merci, mais t'as conclusion, générique. T'as très bien fait ton travail. Non, pense à une question que t'as aimé qu'on te pose dans un passé récent. Peut-être, tu vois, un journaliste t'a posé une question, un blogueur t'a posé une question que tu as aimé. Peut-être, il y en a une comme ça dont tu vas te rappeler. Et qui t'a branché sur un sujet qui était particulièrement agréable ou jubilatoire, ou... peu importe. J'aime bien, c'est pas une question, mais c'est un sujet que j'ai abordé par hasard dans une conférence, qui est l'échec. Et j'aime bien ce sujet, non pas que je sois particulièrement fan, hein, c'est que j'aime bien quand les gens commencent à parler de ce qui ne va pas et de ce qui a fait qu'ils ont rebondi et qu'ils ont trouvé des solutions. J'aime bien les histoires un peu cassées. C'est pour ça que sur LinkedIn, j'essaie de casser un tout petit peu le truc où tout est bien léché, tout le monde se félicite d'être devenu machin, d'avoir écrit un article, et c'est très bien, mais la réalité de la vie, elle est plutôt dans les failles. Voilà. Donc j'ai bien aimé un passage d'une conférence où on se posait des questions et on a finalement passé 3/4 d'heure à parler de nos failles, nos problèmes, nos échecs. Ça, c'était cool. Donc peut-être aborder ça de temps en temps sur quel est l'échec, quels sont les échecs qui vous ont les plus marqués, mais qui vous ont le plus appris. Ça me fait réaliser, quand tu parles de ça, que c'est un aspect de toi que je ne connais pas, alors que je te suis depuis des années. Je suis persuadé que tu es une personne qui parle avec beaucoup d'authenticité, mais de l'extérieur, j'ai une sensation générale, si tu veux, pas de quelqu'un de lisse, hein, parce que tu as même une rugosité, un humour spécial et décalé et tout. Mais c'est vrai, je ne t'imagine pas un jour faisant, de façon un peu émotionnelle, à l'américaine, tu sais, il y a toujours ce moment où, ouais, alors où si on c'est partage à l'américaine, une souffrance. Ça foire, ouais. Ou, bon, non, mais bref, à la française, à l'américaine, peu importe, je plaisante. Mais, est-ce que tu pourrais partager quelque chose de cette nature-là qui nous fasse un peu réfléchir au fait que tu n'es pas qu'un winner et que tu es en fait comme nous? C'est malin ton truc, tu dis. Un, quelle est la question que je ne t'ai pas posée? Je te l'ai dit et tu me dis, tiens, je vais te poser une question. Parle-nous de tes échecs. Mais elle est bonne cette question, dis donc. Mais oui, parce que j'étais en manque d'inspiration. Non, écoute, t'as raison. Non, mais tu rigoles, en fait, on est que ça, des échecs. Enfin, moi, tu vois, je suis parti à San Francisco avec femme et enfant, monter une start-up avec Loïc Lemeur. On s'est pris la crise en pleine gueule, notre produit n'était pas totalement prêt. On a vécu une aventure fantastique. Mais à la fin, je suis rentré en France et j'étais triste de rentrer en France. Ça reste une des plus belles aventures professionnelles et humaines de ma vie. C'est-à-dire que je la re-signerais pareil. Pourtant, moi, j'ai pas touché d'argent ni rien, on a fermé la boîte, c'était fini. Mais c'est un vrai échec économique et c'est une vraie victoire et c'est là où il se passe des trucs. Moi, ça a changé ma vie. Vivre en Californie, mes enfants sont bilingues, j'ai rencontré des gens incroyables et ainsi de suite. D'autres échecs, le théâtre, j'ai pas encore poussé au bout, j'ai pas encore été jusqu'au bout. C'est pas un échec, c'est pas fini. J'ai encore jamais annulé une pièce ni rien, mais j'ai pas été encore au bout, ça m'énerve. Et c'est bien aussi les trucs en cours, tu vois. J'ai fait une première pièce où c'était Michel Larocque qui était metteur en scène. J'aurais jamais dû l'arrêter. Voilà, l'échec, par exemple, c'est d'avoir arrêté cette pièce pour X raisons. Justifié à cette époque, maintenant je le regrette. Une deuxième pièce qui était vachement bien et que j'aurais pas dû arrêter. Une troisième qui était moins bien, que j'ai bien fait d'arrêter. Je pense, ça c'est mon autocritique. Après, il y a des gens qui ont kiffé et tout. Et là, je travaille à la quatrième. Tu vois, je pourrais arrêter et dire, bon, c'est bon, ça suffit maintenant. Non. Là, j'approche de la vérité. Donc voilà, c'est des échecs permanents, des trucs, ça marche, ça marche haute, ça marche bien, je sais pas, on verra. Bon, alors là, ça y est, je suis à court de questions. Mais il n'y a pas de problème, on vient déjà faire 1h30. Donc, voilà, merci d'être venu dans mon modeste studio. C'est parce que quand j'aime bien les gens, j'ai taquine. Hein. Je te taquine, c'est j'ai cool. J'ai adoré. Hein. D'accord. J'ai adoré. Et surtout, ne change rien, c'est super fétatoire de te dire ça. Bah, écoute, tu ne changeras rien, tu continueras à persister dans cette vérité qui nous plaît, ouais, qui fait qu'on te suit depuis longtemps. Merci à toi. Beaucoup. Merci d'être venu dans mon... Dans ton super studio de ouf. C'est ouf. Yes. J'ai 20-20 qui dit c'est un super studio de ouf. Il y a un super studio de malade. Alors... C'est là que tu me dis, j'ai oublié d'appuyer sur REC.